Salut à tous, dans cette formation, nous parlerons de la version 22 d'Archicad, créée par la société Graphisoft. Nous parlerons de l'introduction et de l'interface graphique d'Archicad. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Démarrons. Dans l'ouverture du logiciel, voilà un peu la fenêtre de démarrage que nous trouvons dans Archicad 22. Nous avons là deux options que le logiciel nous présente. Créer un nouveau projet et ouvrir un projet. Nous avons là créer un nouveau projet si nous voulons démarrer avec un projet vierge, un nouveau projet carrément. Et ouvrir un projet si nous avons déjà travaillé une fois dans le logiciel. Et donc, lorsque nous cliquons sur « Ouvrir un projet », nous avons la liste des projets enregistrés dans le logiciel sur le PC. Nous pouvons choisir notre projet et venir ici en bas « Ouvrir ». Puisque nous n'avons aucun projet enregistré, le logiciel nous montre ici « Parcourir ». Quand nous cliquons, nous pouvons aller chercher le projet dans notre machine. Donc, voilà les deux options que nous avons à l'ouverture du projet ou du logiciel Archicad 22. Donc, nous revenons sur « Créer un nouveau projet à ce niveau » et j'ai ici « Créer réglage du projet à partir 2 ». Nous avons ici « Modèle Archicad, modèle Archicad 22 par défaut » créé par les programmeurs, les concepteurs d'Archicad même. Où nous pouvons nous-mêmes créer notre propre réglage, réglage du dernier projet plutôt. Donc le dernier projet que nous avons exécuté dans le logiciel, nous pouvons aussi ouvrir notre fichier à partir de ce dernier réglage là. Donc nous prenons modèle Archicad 22 par défaut. Nous avons ici le profil d'environnement de travail où nous pouvons utiliser le dernier profil utilisé dans le logiciel ou carrément profil par défaut créé aussi par les concepteurs d'Archicad. Donc tout dépend de nous, tout dépend de ce que nous voulons faire. Nous pouvons prendre ici profil par défaut. Donc au niveau de modèle, nous prenons modèle par défaut. Au niveau de profil d'environnement aussi, nous prenons profil par défaut. Nous pouvons venir en bas une fois satisfait de ces réglages et cliquer sur nouveau. Donc on attend un peu l'ouverture du logiciel, le chargement des bibliothèques d'Archicad 22. Donc, à l'ouverture du logiciel Archicad 22, voilà l'interface graphique que nous avons au niveau du logiciel. Et nous avons là 8 rubriques ou 8 palettes qui sont ouvertes, que nous pouvons facilement personnaliser, déplacer, modifier comme nous voulons. Donc, nous allons rapidement voir l'interface graphique de ce logiciel Archicad et la version 22. Donc, pour commencer, en haut, nous avons la barre des titres ici. La barre des titres. Lorsque nous venons, quand nous cliquons sur Enregistrer, CTRL S, nous avons une fenêtre qui apparaît où nous pouvons enregistrer directement le projet au démarrage. Et cela est vivement conseillé puisque nous pouvons à tout moment perdre un projet qui n'est pas enregistré. Il y a de ces cas qui arrivent. Donc au départ, commencez déjà par enregistrer votre projet. Une fois enregistré, sur la barre des titres, nous avons le nom du projet, le nom du fichier qui apparaît. N'oubliez pas, nous pouvons aussi associer le nom du client et la date du démarrage du projet. Le second point, c'est la barre de menu que nous avons ici. La barre de menu qui commence par fichier, édition, vue, dessin, documentation, option, partage, fenêtre et aide. Sur cette barre, nous avons les grands menus du logiciel. Et ces menus nous renvoient à d'autres options. Par exemple, quand je clique sur fichier ici, j'ai ici nouveau, ouvrir, fermer le projet, enregistrer, CTRL S, enregistrer sous, nous avons imprimé, et si nous voulons quitter, CTRL Q en bas, quitter. Donc, nous pouvons prendre le temps de fouiller tous ces menus et voir à l'intérieur ce que nous pouvons en prendre davantage au niveau de l'Archicad 22. Ce qui est intéressant, lorsque nous arrivons ici au niveau de menu, du menu fenêtre, nous avons ici la palette.
Et cette palette nous renvoie à toutes les palettes d'Archicad, Archicad 22. Donc nous pouvons prendre le temps de nous familiariser avec ces palettes, puisque ce sont ces palettes en fait qui conditionnent le logiciel. Donc prenons le temps de bien fouiller la barre de menu. Nous avons ici aussi, nous avons toujours sur la barre de menu option préférences projet où nous pouvons paramétrer aussi notre unité de travail à la base. Nous pouvons prendre unité de travail, le mètre, décimal, la paille décimale, 2,0 après la virgule pour démarrer si nous voulons. Nous avons ici plusieurs unités qui sont affichées. Nous prenons le mètre et décimal, 2,0 après la virgule. Donc voilà en quelques mots présenter la barre de menu. Juste en bas, nous avons la barre d'outils. Cette barre contient les raccourcis pour aller vite. Les raccourcis pour aller vite sur le logiciel. Donc les concepteurs ont remarqué que certains outils sont fréquemment utilisés par les utilisateurs. Et donc ces outils se trouvant déjà sur la barre de menu sont sortis pour créer une nouvelle barre qu'on appelle la barre d'outils. Donc nous pouvons ici voir la barre d'outils où nous pouvons trouver certains outils vraiment importants, essentiels pour travailler. Par exemple, nous avons ici mesure, dans l'outil mesure qui permet de mesurer. Un exemple, je prends un mur, je trace mon mur, juste je mets ici 5, voilà. Donc pour mesurer, donc je prends ici mesure et je viens là, quand je tire, je vois à ce niveau distance 5 angles 0,0 coordonnées x 5 coordonnées y 0,0. Ouais, donc c'est un outil très pratique qui nous permet de vérifier la distance de nos éléments. Donc voilà la barre d'outils que nous avons juste en bas de la barre de menu. Donc nous avons la barre des titres, la barre de menu et juste en bas la barre d'outils. En bas de la barre d'outils, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la barre zone d'information et c'est une barre très très indispensable dans Archicad. C'est une barre qui permet de paramétrer nos outils que nous avons à ce niveau. Donc c'est la barre de paramétrage. Donc chaque fois que nous cliquons sur un outil, par exemple je clique sur l'outil ici et porte, automatiquement l'outil vient se positionner sur la barre zone d'information pour être paramétré. J'ai l'icône de l'outil qui se fait voir encore ici où je peux cliquer et j'ai là la fenêtre de paramétrage adaptée propre à l'outil fenêtre. Nous allons dans les chapitres à venir aborder quand même cet outil, l'outil fenêtre. Donc voilà la barre zone d'information qui nous permet de paramétrer nos outils dans Archicad. À gauche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la barre, la boîte à outils. Nous avons la boîte à outils qui est scindée en quatre palettes qui contient tous les outils essentiels au dessin, à la documentation ainsi que d'autres outils éventuels. Donc nous pouvons à ce niveau fouiller cette boîte pour voir tout ce que nous avons à l'intérieur. Par exemple, lorsque nous arrivons sur objet ici, nous arrivons sur objet, nous avons là l'outil objet. Tout ce qui concerne l'aménagement intérieur ou extérieur de notre projet. Nous avons là les dossiers, les bibliothèques, chaises et sièges, décoration, disposition mobilier que je vois là, équipement médical même, pour ceux qui conçoivent, pour conçoivent ou sont sur un projet d'hôpital, de clinique. Nous avons aussi les sanitaires ainsi que leurs dossiers, les tables. Donc tout ce qui concerne la décoration intérieure ou l'aménagement extérieur, nous avons tous ces éléments dans outils, plutôt dans objets, dans la boîte à outils. Donc la boîte à outils renferme tous les outils que nous aurons besoin ou dont on a besoin en Archicad. Au beau milieu, nous avons l'espace de travail. L'espace de travail Archicad 22. C'est un espace illimité, espace 2D, deux dimensions, longueur, largeur, 3D, trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. Nous pouvons venir dans vue ici afficher la grille de construction à volonté pour voir la verticalité ou l'horizontalité de nos objets, de nos murs qu'on sort. Et donc c'est un espace qui présente à la base certains éléments clés où nous avons des façades, certains repères, façade nord, ouest. Nous avons ici le sud, nous avons ici la façade est, ainsi que deux coupes. Coupe AA et ici coupe BB. Voilà. Donc voilà tout ce que nous avons sur l'espace de travail. Cet espace, nous pouvons aussi paramétrer les grilles. Nous pouvons disposer les grilles suivant un angle donné pour nos projets.
Juste à côté, nous avons ici la palette navigateur, donc qui dans les versions passées est affichée, mais dans la version récente d'Ashika, cette palette est masquée pour avoir plus d'espace pour l'espace de travail. Donc c'est la palette navigateur plan du projet, navigateur plan du projet, qui permet de naviguer dans tout le projet ArchiCAD. Son rôle permet de naviguer dans tout le projet ArchiCAD. En quel sens? Nous avons dans un premier temps les étages que nous pouvons créer, les niveaux que nous pouvons créer. Et dans ArchiCAD, ce qui est remarquable, c'est que le logiciel a été créé de façon à ce qu'on dispose, niveau par niveau, nos conceptions. Les conceptions sont disposées comme si c'était une conception à la base ou dans la réalité même, à l'exécution. Donc, si nous voulons, pouvons commencer par le sous-sol, après le rez-de-chaussée, après le premier étage, nous pouvons créer le second étage, troisième étage et consort. Et si nous n'avons pas de sous-sol, nous pouvons venir juste cliquer sur ça, faire clic droit, supprimer cet étage. Supprimer cet étage et nous pouvons facilement supprimer notre sous-sol. On voit là le sous-sol qui a disparu. Je peux encore venir sur le premier étage, clic droit, créer nouvel étage. Créer nouvel étage où je peux facilement mettre le nom de mon étage. Par exemple, je mets ici étage 2 et je viens, j'ai ici inséré au-dessus, je mets inséré au-dessus. Et la hauteur des murs sur l'étage, je fais 3 et je fais créer. Automatiquement, cet étage créé vient dans le navigateur ici où j'ai mon étage qui est là. Donc, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage à ce niveau. Dans le navigateur aussi, nous avons les coupes et les façades qui sont liées à ces repères que nous avons. Nous pouvons générer automatiquement les coupes, les façades dans le logiciel. Donc, tout dessin qui est ici, par exemple, je viens, je fais juste un dessin là. Je prends l'outil mur. Je dessine quelque chose là. Je prends porte. Je mets là deux portes et je veux générer directement ma façade est. Je viens juste ici avec les deux portes. Je clique sur façade est. On double clique plutôt. Et voilà mon élément qui apparaît. Donc j'ai ici la façade est avec mes deux portes qui sont créées. Donc du moment où notre conception est à l'intérieur de ces repères, nous pouvons facilement générer les façades et les coupes. Ou si nous voulons à volonté, nous pouvons créer. Nous pouvons créer notre projet à l'extérieur de ces repères-là, en dehors de ces repères. Et à la fin, venir dans la documentation que j'ai à ce niveau, utiliser les coupes et façades pour générer mes coupes et façades, si je le veux, bien sûr. Donc, nous avons encore dans le navigateur d'autres éléments, encore la documentation, les plans de masse, les cartouches et consorts que nous avons dans le navigateur. Prenons le temps de fouiller. La base, c'est de fouiller le logiciel pour voir tout ce que nous avons à l'intérieur de ce logiciel. Donc, juste à côté, en bas, nous avons ici la barre d'état qui contient certains éléments essentiels. Par exemple, nous avons ici le zoom. Donc, je peux venir sur mon projet à ce niveau, là où j'ai mis... Ok, je reviens créer mes quatre murs à ce niveau. Je peux, avec Aquat Zoom, venir juste créer un rectangle, un carré, encadrer la partie que je veux zoomer. Et automatiquement, quand je clique gauche, ça zoome la partie plus. Voilà. Mais ce qui est encore intéressant avec la souris, juste la souris, nous pouvons zoomer nos éléments. Par exemple, avec la molette de la souris, la partie centrale, nous pouvons cliquer. Quand nous poussons vers le haut, ça zoome notre projet. Quand nous descendons vers le bas, ça dézoome le projet. Donc, c'est conseillé d'avoir vivement une bonne souris à côté pour facilement zoomer et réduire le zoom. Donc, pour zoomer, nous restons sur l'élément clé que nous voulons zoomer et nous zoomons. Et en bas, nous avons ici le pourcentage de zoom. À chaque fois que je zoome, actuellement, je suis à 152%. Lorsque je dézoome, ouais, actuellement, je suis à 35% où je peux facilement zoomer ou dézoomer. Avant notre pourcentage de zoom, nous avons
à ce niveau l'outil optimisé, qui permet de recadrer tout notre projet au beau milieu de l'écran. Imaginons que le projet, je ne sais plus là où c'est parti. Quand je clique sur optimiser automatiquement, j'ai tout mon projet devant mes yeux. Et l'outil optimisé, c'est aussi valable en 3D. Lorsque nous allons en 3D, en 3 dimensions, quand je viens ici, je fais clic droit, afficher tout en 3D. Voilà le projet, ce que je viens de créer. Donc je peux faire clic droit à Orbit, et tourner mon projet comme je le souhaite. Et imaginons que je ne vois pas mon projet, je ne vois pas l'écran, il suffit juste de venir sur optimiser. Et automatiquement, tout revient au beau milieu de l'écran. Donc voilà l'utilité de cet outil optimisé. Alors nous sommes actuellement en 3D, 3 dimensions, et nous voyons là tout ce que nous avons créé sur Archicad 22. Donc nous revenons en 2D. Pour revenir en 2D, c'est F2, et aller en 3D, c'est F3. Donc raccourci clavier F2, 2D. Pour certains, c'est FN, F2, seconde fonction F2, 2D. Et FN, F3, seconde fonction F3, 3D, 3 dimensions. Donc, normal à la base, F2 et F3 peuvent facilement passer. Donc, je reviens actuellement en F2, 2D pour continuer mon projet. Donc, j'ai ici... À ce nouveau, certains éléments encore indispensables, cadre du projet, modèle entier, qui sont dans l'option, dans la palette options rapides. Certains réglages aussi essentiels pour le dessin. Nous allons quand même un peu devant revenir sur ces réglages. Et en bas, pour terminer, nous avons ici la barre de commande en quelque sorte, où à chaque fois que nous cliquons sur quelque chose, Archicad nous dit ce que nous devons faire par rapport à la chose. Actuellement, je suis sur l'outil fenêtre, il me dit clique sur un mur pour positionner le centre de la fenêtre. Donc quand je viens là, je peux cliquer pour positionner le centre de ma fenêtre. Voilà ce que je vois. Et à chaque fois que je vais exécuter une action, j'ai des directives qui sont là, qui peuvent me guider. Cliquer pour choisir la direction du vêtu et l'orientation de la fenêtre. Appuyez sur la touche Tab pour changer de côte des brasures. Donc je peux venir là pour ouvrir, ici aussi pour ouvrir. Donc j'ai la barre de commande qui me dirige, qui me guide, qui me positionne un peu par rapport à cet outil fenêtre. Voilà. Donc toujours à propos de la souris, à propos des zooms, zoom optimisé, nous avons un dernier outil qui s'appelle l'outil recadré. Dans l'outil recadré, quand nous appuyons touche au beau milieu de la souris, appui enfoncé, nous enfonçons, nous avons là une main qui apparaît, qui permet de recadrer. Donc je peux venir prendre ma grille même et disposer mon projet là où je veux. Donc je peux le mettre ici, mettre là, comme je le souhaite, à volonté. Donc tout ce que je veux, je peux le mettre là, même au centre, si je le souhaite, bien sûr. Donc voilà à l'écran ce que nous avons comme élément intéressant. Donc faisons un petit résumé de tout ce que nous avons appris dans ce tutoriel. Dans le premier point, en haut, nous avons la barre des titres. Nous avons dit que ce serait bien, déjà à l'ouverture du logiciel, de penser à enregistrer un projet. Très, très important. Au point 2, juste en bas, nous avons la barre d'outils. La barre d'outils qui permet, plutôt la barre de menu. La barre de menu qui présente les grands menus du logiciel où nous pouvons aller fouiller et avoir tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin par rapport aux palettes. Par exemple, ici, j'ai fenêtre, palette. Donc, lorsque je ferme, par exemple, par méga d'une palette ici, si j'ai ici, ce sont des palettes flottantes où je peux prendre, déplacer comme je veux. Ouais. Donc lorsque je ferme ça par mes gars, je peux venir encore pousser. Donc je ferme par mes gars, je reviens seulement sur fenêtre palette et je cherche boîte à outils. Je peux encore le mettre encore son emplacement habituel. Si je veux, je peux venir agrandir un peu. Donc n'oublions pas de prendre le temps de fouiller cette barre de menu
indispensable pour un débutant. Juste en bas, nous avons la barre d'outils qui contient un raccourci pour aller vite. Encore en bas, nous avons la barre zone d'information qui permet de paramétrer nos outils, nos éléments console, zone d'information. À gauche, nous avons la boîte à outils qui contient tous les outils dans Archicad 22, tous les outils qu'Archicad nous présente, l'outil forme, l'outil coque. Nous allons parler de tous ces outils, objets, zones, documentation, console, les tests, les cotations, tout est regroupé dans boîte à outils. Au beau milieu, là où on dessine, nous avons l'espace de travail 2D ou 3D, visible en 2D ou en 3D. On a dit F2, 2D, F3, 3D. Nous avons à ce niveau le navigateur plan du projet qui permet de naviguer dans tout le projet. Nous avons les étages. Nous avons les étages pour commencer, créer ou supprimer un étage. Nous avons les coupes, les façades, la documentation que nous avons à ce niveau. Et en bas, nous avons laissé la barre d'état qui contient certains éléments en clé, les outils d'aide de dessin, on va dire, où nous avons le pourcentage de zoom, l'outil optimisé qui permet de recadrer, optimiser, voilà, au centre. Nous avons, on a fait clic droit, orbite, quand on fait clic droit, afficher tout en 3D, nous pouvons cliquer maintenant sur clic droit, orbite. Chez moi, c'est déjà activé, orbite, où je peux à ce niveau, avec ma souris, clic gauche enfoncé, tourner tout mon projet, tout mon projet. Voilà, et en bas, je reviens en 2D. En bas, nous avons ici la barre de commande qui nous dirige, qui nous guide dans tout le logiciel. Donc voilà la fin de ce premier tutoriel. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater aucune de nos publications. Vous pouvez être toujours au courant de tout ce que nous allons faire sortir. Activez la cloche de notification, vraiment indispensable. Likez la vidéo et dans les commentaires, dites-nous avec quelle version d'Archicad vous vous sentez vraiment à l'aise. Donc, on se dit alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons pas à pas monter ce projet que nous voyons devant nous. Une chambre, salon, terrasse, WC douche interne, cuisine et salle d'eau visiteurs. Alors, commençons. Donc pour démarrer notre projet, nous allons dans un premier temps aller dans Options, paramétrer l'unité du projet, Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Donc je viens, je choisis Unité, le mètre, je prends le mètre décimal 2,0, deux chiffres après la virgule, et puis je valide. Donc voilà la première chose que nous devons faire lorsque nous entrons dans le logiciel Archicad 22 pour démarrer. Donc je viens au niveau maintenant du navigateur à ce niveau pour paramétrer mes étages. Je vois, j'ai ici rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Ça me suffit largement et puis donc je valide. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des raccourcis clavier au niveau de la boîte à outils pour aller vite et comment nous pouvons en quelques minutes monter un projet facilement sur Archicad. Donc nous commençons par l'outil MUR. L'outil MUR, le raccourci clavier, c'est W. Le raccourci clavier pour l'outil MUR, c'est W. Donc, quand je viens sur mon clavier, je tape sur W. Automatiquement, j'ai mon MUR qui est activé. Et donc, une fois le MUR activé, maintenant, je peux rentrer dans les paramètres. En temps normal, nous cliquons sur cette... sur l'icône pour ouvrir les paramètres, la fenêtre de paramétrage. Mais le raccourci pour ouvrir cette fenêtre, c'est CTRL-B. CTRL-B pour ouvrir le dialogue de paramétrage. Donc, nous cliquons sur MUR, CTRL-B. Et automatiquement, nous ouvrons le raccourci du dialogue de paramétrage. Donc, cette fenêtre est scindée en plusieurs panneaux. Nous avons panneau géométrie, position, plein, coupe et modèle. Donc, géométrie, position, j'ai tout ce qui concerne la géométrie et le positionnement du MUR. Par exemple, au niveau du sommet de MUR, à ce niveau, je prends non lié. Je veux un MUR indépendant, un MUR libre, tout à fait libre. Et à ce niveau, au niveau de la hauteur, nous prenons hauteur 3 mètres.
je viens en bas ici, c'est l'attitude par rapport au sol, l'état d'implantation. Donc je le mets ici à 0,0. Donc mon mur est purement au sol. Donc j'ai ici sommet de mur non lié, on prend non lié, la hauteur du mur, 3 mètres. Ici, décalage inférieur d'état d'implantation, nous mettons à 0,0. Juste à côté ici, j'ai la structure du mur. J'ai ici mur basique, mur composite et profil complexe. Donc mur basique, c'est un mur avec une seule couche, juste une seule couche et un seul matériau. Mur composite, le milieu, c'est plusieurs couches, plusieurs matériaux et profil complexe pour créer certains designs, certains profils un peu complexes dans le logiciel. Les moulures qu'on sort, nous allons un peu devant voir aussi ces options. Donc je prends structure basique, je définis ici à ce niveau ma hachure, le hachurage du mur. Donc je définis cela à ce niveau et donc nous voyons là deux couleurs à chaque niveau. Première couleur, c'est la couleur de ma hachure, et la seconde couleur est appliquée au matériau composite. La seconde couleur est appliqué au matériau composite. Donc quand je suis maintenant au niveau de profil composite, structure composite, donc je peux à ce niveau définir tout ce que je veux et j'ai ici ma couleur qui se fera voir à ce niveau. Donc je peux facilement définir ma deuxième couleur par rapport aux structures composites. Donc nous venons sur structure basique. Et comme le disons, j'ai mes hachures ici. Je prends une hachure que je veux. Donc, je prends une hachure que je veux. Je prends cette hachure. Et maintenant, juste en bas, j'ai à ce niveau l'épaisseur de mon mur. L'épaisseur de mon mur. Et je prends ici comme épaisseur 0,12. Donc, les briques de 0,12, les papins de 0,12 cm. Voilà. Donc je viens juste en bas, j'ai ici l'angle d'inclinaison du mur, je vois là 90 degrés. Donc par défaut, HiCad est paramétré sur 90 degrés, donc pour toujours maintenir la verticale. Donc voilà ce que j'ai au niveau de sommet de mur, au niveau de géométrie et position plutôt. Donc plein coup, contrôle tout ce qui gère, tout ce qui concerne l'affichage en plan et en coupe. La couleur de nos lignes, la couleur des murs éventuellement, ainsi que les couleurs en coupe dans le logiciel. Donc quand je descends au niveau de modèle, à ce niveau, modèle contrôle l'affichage en 3D. Modèle gère l'affichage en 3D, les matériaux, les revêtements, le design de mes objets, tout est contrôlé par modèle. Donc dans un premier temps, je viens ici activer mes trois options. La première option, c'est surface de face extérieure. La deuxième option, c'est surface latérale. La troisième option, c'est surface de face intérieure. Et donc, toutes ces couleurs dépendent du goût du client ou de notre goût, ce que nous voulons donner comme orientation à notre conception. Et donc, il est conseillé de prendre le temps pour étudier bien ces couleurs et de voir quelles répercussions cela aura sur notre projet, notre conception. Donc le premier, surface de face extérieure, je prends juste un truc, je viens au niveau de peinture, donc je cherche dans les P, j'ai ici peinture, paix sable, la surface de face extérieure. Maintenant juste au niveau de la surface latérale, donc je peux venir à ce niveau. Choisis également une peinture, ce que je veux. Donc je prends peinture blanc brillant. Et maintenant le dernier, surface de face intérieure. Je peux venir ici. Donc ça commence par A jusqu'à B. Je vois B, brique, C, carrelage, décoration, O. Vous voyez un peu le principe. E, enduit, consort, isolation, métal. Peinture, plein de choses que je vois là. Donc je peux venir au niveau de brique ciment ici. Je prends brique ciment pour l'intérieur.
Et je prends aussi pour l'extérieur aussi, pourquoi pas brique ciment. Et je viens, je valide par OK. Donc voilà l'essentiel au niveau de l'option par défaut mieux. Si nous voulons paramétrer nos murs de façon cohérente, à ce que nous puissions faire un projet rapide dans HC422. Rappelons-le, le raccourci clavier pour mur, c'est W. Et pour ouvrir la fenêtre de démarrage, de paramétrage plutôt, c'est CTRL-B. CTRL-B. Et je valide avec OK. À ce niveau maintenant, je peux définir, je peux tracer mon premier mur. Et comme nous disons, nous commençons toujours par la structure verticale. Commençons par la structure verticale. Donc je viens, je clique sur mur déjà activé et je clique dans l'espace vide et je tire. Donc quand je clique, je tire dans le sens voulu. Donc je peux aller dans ce sens aussi à volonté si je veux, de façon horizontale. Je peux descendre aussi de façon verticale. Donc là, à ce niveau maintenant, je peux tirer et je vois en tirant des lignes qui apparaissent, des lignes bleues. Ce sont des lignes guides. Ces lignes guides m'aident par rapport à l'horizontalité ou la verticalité de mes murs. Donc quand nous sommes débutants, nous pouvons soit juste tirer et suivre la ligne guide et poser sur la ligne guide, ou carrément lorsque nous appuyons sur Shift, c'est une contrainte qui maintient le mur droit. Ouais, mon mur est un peu biaisé là. Quand j'appuie sur Shift sur le clavier, voilà encore un raccourci. Shift, mon mur serait forcément droit. Et maintenant, pour écrire à distance, j'ai un doigt sur Shift, l'autre est sur R. Donc Shift R pour écrire la distance. Donc un doigt sur Shift, l'autre est sur R. Et puis maintenant, je peux venir mettre la distance. Je mets ici 10. Et je valide avec entrée. Donc voilà, je viens comme ça de tracer mon premier mur de 10 comme unité, 10 mètres si je veux. Et pour vérifier si c'est vraiment 10 mètres, je peux juste venir au niveau de la barre d'outils où j'ai ici rapidement raccourci majuscule plus M, majuscule plus M mesuré, où je peux facilement venir là, cliquer sur le bout, descendre en bas et obtenir voir mes 10, ce qui suppose que mes 10 ont été respectés, mes cotations ont été bien respectées. Donc nous faisons échappe, escape pour annuler notre mesure, notre règle dans le logiciel Archicad. Donc pour effacer ce mur, il suffit juste de cliquer sur notre flèche ici, on sélectionne le mur. On a plusieurs façons d'effacer un mur. Je peux venir cliquer droit, faire. Une fois que le mur est sélectionné, on voit toujours, nous sentons une couleur verte sur les contours du mur. Et là, pour effacer, c'est sélectionné, j'ai un point noir, les points d'extrémité, clic droit, effacer. Pour retourner en arrière à ce niveau, nous pouvons aller en arrière juste. Et je peux encore cliquer pour effacer, nous sélectionnons. Et sur le clavier, je peux cliquer sur supprimer. Sur supprimer. Automatiquement, cela supprime aussi mon mur. Nous avons plusieurs façons de supprimer un mur dans HC4. Nous voulons seulement de voir deux façons de supprimer ce mur. Donc, je peux aller encore CTRL-Z. Ça, c'est encore un raccourci. CTRL-Z pour ramener mon objet qui a été supprimé. Donc, nous faisons juste un petit résumé de ce que nous avons appris dans cette vidéo avec les raccourcis, notre première vidéo pour monter ce projet. Donc dans un premier temps, le premier raccourci que nous avons appris, c'est W par rapport au mur, W qui active l'outil mur. Maintenant, pour activer la fenêtre de paramétrage, c'est CTRL-B. Un doigt sur CTRL, l'autre sur B. Donc CTRL-B. Tout à fait. Donc une fois tracé, pour revenir en arrière, annuler une action déjà accomplie, c'est CTRL-Z. Et pour tracer ma ligne, mon mur plutôt, comme je l'ai fait, je peux cliquer sur mur une fois paramétré. Donc je vérifie mes paramétrages. Donc je clique, je tire vers le bas, Shift R, je mets ici 10. Et si nous voulons aller en 3D, nous pouvons sur le clavier appuyer sur F3. F3, et voilà ce que j'ai ici.
en 3D par rapport à ce que je viens de tracer comme mur. J'ai ici mes deux murs que je viens de tracer. Donc voilà Brixima que nous venons de faire. Donc voilà tout pour cette vidéo qui concerne les murs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez toutes les notifications pour ne plus manquer le prochain vidéo. Faites un commentaire pour des questions. Nous sommes dispo pour répondre à toutes vos questions. Alors, on se dit à la prochaine pour la seconde vidéo. Merci. Mais salut les amis, nous poursuivons cette formation avec les déplacements en AchiCAD. Les déplacements en AchiCAD. Alors, commençons. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et activez aussi la cloche de notification. Donc, dans cette vidéo, comme l'avons dit, nous parlerons des déplacements en AchiCAD. Nous allons voir comment avec ce mur, à bas de ce mur, nous pouvons créer, nous pouvons concevoir tout ce projet grâce aux raccourcis. Nous le rappelons, nous allons utiliser les raccourcis pour aller vite et gagner du temps sur le projet AchiCAD. Donc, nous trouvons les déplacements dans le menu édition, et je cherche déplacer, plutôt édition, voilà le menu édition, nous trouvons les déplacements dans le menu édition. Donc, j'ai ici édition et j'ai à ce niveau déplacer. Donc, je dois d'abord, dans un premier temps, sélectionner mon outil édition. Et j'ai ici déplacé, translation, rotation, symétrie, déplacement vertical, translation, copie, rotation, copie, symétrie, copie, translation avec copie et copie multiple, rotation avec copie multiple, option de duplication. Donc, comme vous le voyez, nous avons juste à côté de ces outils, ces options, leur raccourci. Translation, c'est CTRL-T qui permet de faire juste un déplacement d'un point A vers un point B. Rotation, CTRL-R qui permet de tourner dans divers angles de vue, symétrie, CTRL Y, translation et copie qu'on va beaucoup utiliser, CTRL plus L, rotation et copie, CTRL plus O, symétrie, copie, CTRL plus J. Donc il est vivement conseillé de prendre le temps de pouvoir apprendre tous ces raccourcis pour aller vite dans le logiciel. N'oublions pas, c'est très 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 important si nous avons un client, un potentiel client qui veut un projet rapide, et prêt à payer, ce sont des raccourcis qui nous aident à aller vite. Donc commençons notre projet. Donc je viens à ce niveau, donc je sélectionne mon outil et je veux mon mur plutôt. Je veux déplacer ce mur, ce premier mur que j'ai fait, et pour avoir une distance intérieure de 50 cm. Donc je sélectionne mon mur. Comme on l'a dit, nous faisons clic droit, on peut faire clic droit aussi, c'est possible, clic droit, déplacer, et j'ai ici translation, copie. Translation, copie permet de faire une translation en créant l'image de mon objet. Donc je viens sur le clavier CTRL-L, voilà, je l'ai activé sur le clavier CTRL-L, et une fois activé sur le clavier, nous voyons un signe plus qui apparaît sur le curseur, signe que c'est bien activé. Et je peux venir prendre mon point noir ici, ou carrément même le mur. Donc je clique et je fais Shift R. Je mets maintenant la distance plus l'épaisseur du mur, ce qui fait 50 cm plus le radius, ce qui fait 62 cm, 62. Je fais Entrée. Voilà. Je viens comme ça de créer mon premier mur vertical. Donc le disons, nous commençons toujours par les structures verticales, très important. Tout ce qui est vertical. Donc de ce mur à ce mur que j'ai ici, j'ai 112. Donc, je sélectionne encore une fois de plus CTRL-L. Je viens, je le prends. Donc, ce qui fait 112 plus 12, ça fait 124. Entrée. Voilà. Donc, du deuxième mur jusqu'au quatrième mur ici. 1, 2, 3, 4. J'ai ici, deuxième mur, 2,5.
250. Donc je sélectionne. Donc je viens CTRL L. C'est toujours CTRL L, SHIFT R, 262. Voilà. Et maintenant, je peux venir faire mon cinquième mur à ce niveau. Et du deuxième mur jusqu'ici, j'ai 4 mètres. Donc je sélectionne toujours. Je viens, je prends SHIFT R, 4,12. Donc nous ajoutons toujours l'épaisseur du mur à l'arrivée. Voilà. Et maintenant, pour terminer, j'ai ici mon salon, la terrasse, qui fait 5 mètres. Donc je viens, je clique toujours, 5,12, entrée. Voilà, donc voilà. Et pour terminer, j'ai ici toujours ma clôture qui fait 50 cm où je mets, voilà. Donc je viens comme ça de faire tous mes murs verticaux grâce au raccourci CTRL plus L. Comme le disons, le raccourci nous aide à vite aller dans le logiciel, à bien travailler dans le logiciel, aller très vite. Donc maintenant, nous continuons avec nos murs horizontaux. Donc je fais d'abord mon premier mur horizontal, donc je clique sur ça et je viens à ce niveau. Et puis je vais essayer de joindre tous mes murs, tous ces murs verticaux. Donc je fais un constat, lorsque je pose mes murs sur mes 6 murs ou mes 7 murs verticaux, je vois que l'épaisseur du mur s'ajoute à la distance totale des murs verticaux. Donc les 0,15 s'ajoutent à la distance totale. Donc qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là? Donc je viens à ce niveau de l'emplacement de ligne de référence. Je viens, j'ai ici la ligne de référence qui est sur la face extérieure au centre ou la face intérieure. Tout dépend du positionnement que je veux. Donc je prends ici face intérieure. Et je vois que maintenant mon mur s'emboîte très bien avec les 7 murs verticaux dont l'épaisseur rentre à l'intérieur des lignes verticaux, des murs verticaux. Et puis je clique. Et maintenant nous pouvons faire nos murs, pouvons dessiner nos murs horizontaux. Donc j'ai créé mon premier mur horizontal. Maintenant je vais créer mon second mur horizontal. Donc je sélectionne. Pour sélectionner, c'est toujours flèche ici, flèche, et nous sélectionnons. Flèche, et on sélectionne. Ou shift, appui long, appui enfoncé, et on clique gauche. Donc on sélectionne. Et une fois sélectionné, nous voyons toujours ce contour vert sur le mur. Je peux changer ma hachure pour pouvoir bien voir cela. Voilà, vous voyez. Une fois sélectionné, je vois mon contour vert toujours sur mon mur. Ou je peux aller encore CTRL Z en arrière. Donc j'ai sélectionné mon mur. Maintenant je fais CTRL L, je déplace, SHIFT R, je mets 1 pour avoir les 88 comme intérieur. Maintenant je viens à ce niveau, maintenant faire mon troisième mur horizontal, où j'ai ici à l'intérieur 4, ici à là j'ai ici 4, où je peux venez cliquer, sélectionne, je descends vers le bas, 4,12 pour ma chambre. Maintenant je fais la toilette qui est 1 mètre, entrée, la toilette qui fait 1 mètre, 1,12, voilà la toilette qui est ici qui fait 1 mètre. Maintenant pour terminer, j'ai ici ma cuisine ou la terrasse qui fait 2,50 encore. Donc je viens à ce niveau, je clique SHIFT R toujours. N'oubliez pas CTRL L pour la translation et copie. 262. Voilà. Donc je viens comme ça de finir mes murs verticaux et mes murs horizontaux avec HiCAD. Et la commande qui nous a aidé à faire rapidement ces murs en quelques minutes, c'est la commande CTRL plus L. C'est un des déplacements au niveau d'HiCAD. Et donc, une fois terminé, maintenant je peux venir couper les murs indésirables sur mon projet. Donc je peux venir, et la commande à ce niveau c'est CTRL appui enfoncé, et je coupe. Quand on appuie sur CTRL, on voit un ciseau qui apparaît, et je coupe. Voilà, je peux couper facilement tous mes murs. Voilà, je coupe. Voilà, j'ai coupé tous mes murs tout autour.
Et maintenant, je viens couper les murs à l'intérieur du plan même. Le mur à l'intérieur du plan. Déjà, je vois ici la clôture qui se fait voir. Je peux venir enlever la clôture, comme vous le voyez. Donc, nous posons toujours, nous pouvons zoomer, comme on l'a vu dans la présentation de la chicane. Je peux zoomer. Donc, je suis en train de réduire le zoom. Nous pouvons encore augmenter le zoom. Donc, je peux facilement zoomer, couper. Et maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici déjà ma toilette qui se fait voir. Ce niveau, j'ai ici ma cuisine qui se fait voir aussi à ce niveau. Je peux maintenant à présent supprimer ces murs et maintenant aussi avoir mon salon à ce niveau. Je peux encore supprimer ce mur pour créer mon placard à ce niveau. Voilà. Donc voilà ce que j'ai par rapport à la conception de mon projet. Donc j'ai ici la chambre 4 sur 4. J'ai ici le salon qui fait 5 mètres sur 5. J'ai ici la terrasse de 50 sur 5. La cuisine qui est à ce niveau. Et nous avons ici la toilette visiteur. Donc, nous le rappelons encore une fois de plus. Dans les déplacements, nous les trouvons dans le menu édition. Ici, déplacer. Mais une fois sélectionné, le mur sélectionné, nous pouvons cliquer sur ça avec clic droit. Et nous trouvons aussi tous les déplacements à ce niveau. Nous avons translation qui permet de faire juste un déplacement. Nous allons l'utiliser un peu devant. CTRL T, rotation, CTRL R, symétrie, CTRL plus Y, déplacement vertical. Nous allons le voir un peu en 3D. Translation et copie que nous avons plus utilisé dans cette vidéo. CTRL plus L. Nous pouvons écrire ces raccourcis sur une feuille. Dans nos déplacements, dans nos mouvements, prendre le temps de les apprendre, les mémoriser. Et à chaque fois que nous sommes sur HK, que nous voulons bouger quelque chose, pensons à ces raccourcis. Symétrie, copie, CTRL plus J. Donc voilà, encore une fois, terminé la seconde vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Posez vos questions dans les commentaires. Partagez la vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit alors à la prochaine. Oui, salut les amis, dans cette vidéo nous parlerons de l'outil POD dans HCAD 22. Nous allons voir les raccourcis liés à cet outil et comment aller vite avec l'outil POD. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Donc, nous trouvons l'outil porte dans boîte à outils ici et le raccourci clavier pour l'outil porte, c'est la lettre M. Et donc, quand je clique sur M sur mon clavier, j'ai mon outil porte qui est activé et je fais alors CTRL B. Le CTRL B, comme nous l'avons dit, ouvre directement le dialogue de paramétrage ou la fenêtre de paramétrage liée à cet outil. Et sur cette fenêtre que je vois là, j'ai ici quatre zones ou quatre blocs. Le premier bloc concerne les outils, plutôt les bibliothèques interne à AutoCAD, à Archicad. Donc j'ai ici tout ce qui est lié à l'outil POD, les bibliothèques, les dossiers à l'intérieur. Nous avons ici des ventures, dossier ouverture, porte vide, porte battante, porte coulissante, porte de garage, porte pivot, tambour, porte pliante, coulissante. Donc lorsque je clique sur un dossier, par exemple porte battante, j'ai le contenu de ce dossier à ce niveau et je peux défiler ma souris, la molette de ma souris pour voir la porte que je veux utiliser, sélectionner cette porte là. Donc je choisis une porte juste un seul battant et aussitôt j'ai ici l'affichage de la porte ici dans la prévisualisation position, le troisième bloc où j'ai les caractéristiques de la porte, les dimensions de la porte. Donc j'ai ici la hauteur 0,90 et plutôt la largeur 0,90 et la hauteur 2,10. Donc
En dernière position, nous avons ici autres paramètres liés à cette porte. Donc, nous avons le battant de porte, donc les designs que nous avons en Archicad, où nous pouvons choisir un style que nous voulons. Je prends C15 et ici poignée de porte, où je peux aussi choisir tout ce que je veux comme poignée. Donc, je peux venir ici prendre poignée 3. Nous avons encore d'autres paramètres encore intéressants, toujours liés à la porte que j'ai choisie. Par exemple, les volets ou carrément même les linteaux si je veux à volonté. Donc, nous pouvons prendre le temps de fouiller tous ces paramètres pour voir tout ce que nous voulons ajouter à notre porte. Voilà quand même l'essentiel par rapport à au paramétrage de l'outil porte. Donc à ce niveau, donc j'ai toujours la largeur qui est 0,90, la hauteur 2,10, et par rapport au niveau sol, donc je le mets toujours à 0,0. Donc voilà, je peux voir ici l'affichage de ma porte, que ce soit en 2D ou en 3D. Voilà, je peux le voir et apprécier. Tout à fait, je vois ici à ce niveau l'ouverture, une ligne d'ouverture. Quand je viens à ce niveau, donc je vois là la ligne d'ouverture sur ma porte, et cette ligne je peux directement la supprimer. Donc je viens ici au niveau d'options et porte, ouverture de porte, j'ai ici ligne d'ouverture, je clique sur ça et je viens au niveau de projection 3D. Nous avons affiché à 2D, j'ai ici aussi projection 3D. Remplacer option vue modèle. Donc j'active d'abord ça. Remplacer option vue modèle. Et maintenant je viens au niveau de ligne d'ouverture. Actuellement c'est coché. Je viens décocher ma ligne d'ouverture. Et je valide de tout une fois satisfait de mes paramètres avec OK. Donc maintenant nous allons paramétrer, nous allons poser notre port sur notre projet. Donc comment ça fonctionne? Lorsque je clique sur la porte, dans un premier temps je crée l'ouverture et l'ouverture sur le mur. Donc je clique et voilà, j'ai créé l'ouverture sur le mur. Et maintenant avec la souris et ma main, le mouvement de ma main, je peux facilement créer l'orientation de la porte. Donc je vois là une flèche qui va vers le haut de ce côté. Ici, j'ai ici à gauche, à droite, je peux rentrer à l'intérieur. Donc, il suffit juste de bouger votre main pour facilement poser votre porte. Donc, je le mets là. J'ai ici également une porte pour ma toilette qu'on va forcément modifier. Ça va modifier la largeur après. Donc, j'ai ici la cuisine. J'ai encore ici la toilette que je vois là. Donc, je peux zoomer pour bien voir. Et je peux à ce niveau changer facilement la largeur de ma porte. Donc je clique là. Au lieu d'aller encore dans les paramètres, paramétrer de nouveau la largeur, j'ai tout ici sur la barre de zone d'information où je peux venir juste cliquer et effacer. Je mets une porte de 0,7 pour ma toilette ici. Et ici également 0,7 pour ma toilette. Et chose intéressante au niveau de la porte, je peux cliquer sur ça et cliquer sur le point au beau milieu pour faire glisser ma porte. Donc clique gauche en français, glisser ma porte sur le mur. Ma porte sur le mur. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qui est fait encore. Voilà. Donc imaginons que je veux ouvrir ma porte ici à l'intérieur. J'ai fait une erreur. Je veux l'ouvrir à l'intérieur. Il suffit de cliquer sur ça et de cliquer sur CTRL R. CTRL R, c'est rotation. CTRL R, c'est la rotation. Donc, je l'ouvre à l'intérieur maintenant, ou à l'extérieur plutôt de la chambre, dans le salon. Et imaginons que je veux maintenant le tourner vers la droite. Vers la droite ou en haut. Donc, je fais CTRL Y. Symétrie, et je clique sur toujours le milieu, le point au milieu, le point de symétrie. Donc voilà qui est fait. Je peux encore faire CTRL Y, encore là, CTRL R, je le ramène encore à l'intérieur.
Donc voilà des raccourcis qui permettent d'aller vite au niveau de l'outil porte. Je termine avec ma porte de battant. Donc je viens encore sur porte à ce niveau. Je clique et je choisis une porte de battant que je veux à volonté. Porte double. Donc je fous dans la liste. Voilà. Je prends la largeur ici, largeur 1,80. Et toujours au niveau de la ligne d'ouverture, je viens supprimer ma ligne d'ouverture. Donc on supprime l'ouverture. Au niveau de poignée et plaque bas de porte, je peux venir ici, donc type de battant de porte, choisir un type que je veux à volonté. Donc je suis déjà satisfait et je fais OK et je le pose là. Voilà, à ce niveau. Donc voilà ma porte qui est posée. Je peux maintenant venir avec CTRL. Je clique avec CTRL. On l'a vu dans la précédente vidéo. Donc je peux venir supprimer, couper ma terrasse ici si je veux à volonté. Et prendre l'outil ligne pour faire ma terrasse à ce niveau. Donc je peux venir faire ma terrasse à ce niveau. Je viens, je coupe. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, nous venons comme ça de placer nos portes sur notre projet. Donc nous avons une porte d'entrée ici, porte de la cuisine, la porte de la toilette. Ici, la salle de antenne et ici, la porte qui mène à la chambre à la chambre principale. Donc je viens toujours maintenant en 3D, donc je fais F3, appelons-le F3, c'est 3D. Et F2, c'est 2D, deux dimensions. Longueur, largeur, F3, 3D. Longueur, largeur et hauteur. Donc, je peux maintenant venir visualiser. Clic droit, orbite. Visualiser mon dessin que j'ai fait à volonté. Ou maintenant, à ce niveau, imaginons que je veux changer le revêtement de ma porte. Plutôt de mes murs, je veux changer carrément les revêtements. Il suffit juste de cliquer sur mur. Donc je fais ici mur W CTRL A. Je sélectionne tous les murs W CTRL A. Tous les murs sont sélectionnés. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais seulement au niveau des paramètres. Je peux venir CTRL B encore et changer tout ce que j'ai comme. Donc voilà, j'ai changé le design de mes murs à volonté si je le veux. Donc je reviens en 2D. Imaginons que je veux voir uniquement ce projet là en 3D. Donc je sélectionne ça. J'ai plusieurs projets sur mon espace. Je veux voir uniquement ce projet en 3D. Donc je prends une sélection, j'encadre et maintenant je fais clic droit F4 pour aller en 3D. Donc voilà ce que je viens de faire par rapport à ma porte. Je fais encore W, CTRL A, CTRL B pour changer encore de revêtement si je veux. Je peux maintenant à ce niveau prendre peut-être appareillage calcaire pour mon projet. Voilà. Donc voilà ce que je viens de faire par rapport. Je reviens en 2D par rapport au mur, le mur de la clôture. Pourquoi pas le diminuer? Je peux diminuer. Donc pour sélectionner plusieurs murs, plusieurs éléments en HCAD, nous appuyons sur Shift appuie long pour sélectionner. Et je viens à présent ici diminuer la hauteur de mon mur, de ma clôture. Où je viens encore pour apprécier. Voilà. Ce que je viens d'avoir. Voilà, donc je viens. Donc nous allons en 3D pour apprécier tous ces éléments. Donc je peux venir supprimer. Voilà. Tout à fait. Donc voilà ce que j'ai obtenu grâce à l'outil mur et à l'outil porte en HCAD. Donc bon visionnage à vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, activez toutes les notifications, partagez la vidéo.
massivement la vidéo et on se dit alors à la prochaine. Oui, salut les amis, dans cette vidéo nous parlerons de l'outil fenêtre dans HiCAD 22. L'outil fenêtre dans HiCAD 22. Et donc, allons-y. Donc sur notre projet, nous avons déjà fait les portes. Maintenant, nous allons placer l'outil fenêtre sur ce projet. Donc le raccourci clavier pour l'outil fenêtre, c'est la lettre, c'est la virgule. Donc la virgule sur le clavier. Donc quand je clique sur virgule, juste après la lettre N, j'ai aussi ma virgule. Et quand je clique sur virgule, j'active mon outil fenêtre. Et donc je fais CTRL B pour ouvrir le dialogue de paramétrage ou la fenêtre de paramétrage. Et comme l'avons dit, cette zone ou cette fenêtre est scindée en quatre blocs. Le premier bloc, c'est la bibliothèque en HiCAD. J'ai ici fenêtre basique, fenêtre polissante. Donc tout ce que je veux, je choisis, je clique. Et j'ai le contenu du dossier à l'intérieur, juste en bas ici. Nous l'avons juste en bas. Et lorsque je sélectionne par exemple une fenêtre châssis double, j'ai à ce niveau les caractéristiques de la fenêtre. Ici la largeur, je prends 1,60, 80 de chaque côté. Ici la hauteur plus la large. La hauteur plus la large doit faire 2,10 pour être au niveau de la porte. Pour être au même niveau que la porte. Donc je mets ici 1,10 et je prends ici 1 mètre. Donc le chaînage passera sur la porte et la fenêtre. Donc à ce niveau, donc j'ai ici autres paramètres liés à la fenêtre. Je peux venir enlever également ma ligne d'ouverture à ce niveau. Ma ligne d'ouverture à ce niveau, donc sur cette fenêtre. Et donc voilà, ma fenêtre qui vient d'être paramétrée, je valide avec OK. Donc je viens maintenant placer ma fenêtre à ce niveau. Donc j'ai ici une fenêtre. Je peux encore cliquer ici, une fenêtre. J'ai encore là une fenêtre ici. Et maintenant pour les toilettes, je peux revenir toujours CTRL B dans les paramètres, choisir fenêtre une seule ouverture. Et maintenant je viens paramétrer. Je fais 6,7 ou si je veux 0,6. La largeur sur 0,7, la hauteur. Je viens enlever ma ligne d'ouverture. Comme on l'a vu, la ligne d'ouverture maintenant vient d'être enlevée et je positionne ma fenêtre et je mets ici la large à 1,5. Comme on l'a dit, plutôt 1,4. Comme l'avons dit, la hauteur plus la large doit faire 2,10. Et je fais OK. Et je mets ici, je peux venir ici positionner ma fenêtre. Voilà. Donc, pouvons le mettre soit à l'intérieur ou à l'extérieur de mon mur. Et en fonction de l'orientation, ça crée un design ou un design sur notre mur. Nous pouvons aller en 3D pour voir ça, pour voir ce que nous avons fait. Donc, voilà ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai obtenu avec mes fenêtres en HiCAD. Donc voilà le résultat obtenu. Donc j'ai ici mes fenêtres que j'ai posées pour la toilette. Et nous le rappelons, pour tourner, c'est Orbit. Donc pour tourner mon projet en 3D, c'est Orbit. Donc je peux bouger ma main pour le voir à volonté. Donc voilà ce que j'ai obtenu dans le logiciel. Voilà. Donc je reviens toujours en 2D. Et là, je peux venir au niveau de la fenêtre pour voir quelques designs liés à l'outil fenêtre. Nous sélectionnons une fenêtre particulière, peut-être la fenêtre au niveau de
au niveau de, du salon. Donc je clique sur ça, CTRL B, et je peux maintenant aller au niveau, à ce, au niveau de d'autres paramètres. J'ai ici autres paramètres associés à cette fenêtre où je peux facilement voir tout ce que HCAD me propose. Voilà, donc j'ai ici type et angle d'ouverture. J'ai ici par exemple type et angle d'ouverture, j'ai châssis principaux, j'ai à ce niveau l'ouverture. Nous pouvons choisir l'ouverture en 2D ou en 3D. Je mets ici 50 degrés, nous pouvons voir. Voilà, donc au niveau de la ligne d'ouverture, c'est déjà fait. Donc je peux venir encore voir autre élément. Donc je fais OK pour voir ce que ça va nous donner en 3DF. Voilà. Donc voilà le résultat que nous avons. J'ai ici ma fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur, qui n'est pas intéressant. Donc je reviens et je fais ici CTRL R, la rotation, CTRL R, et je peux aller encore voir ça en 3D. Donc voilà comment je peux ouvrir ma fenêtre en 3D dans le logiciel, voilà, dans le logiciel HCAD 2. Voilà, donc je reviens encore toujours sur ma fenêtre, CTRL B pour prendre encore autre élément. J'ai ici angle d'ouverture. Donc je peux sélectionner automatiquement toutes les fenêtres et appliquer un seul changement sur ça, ou je reviens toujours au niveau de l'ouverture. Donc par exemple de volet, si je veux, je peux activer volet à ce niveau. Et j'ai ici décoratif, j'ai ici plein de styles que j'ai. Voilà, je peux prendre style 4 et l'appliquer sur ma fenêtre à volonté. Nous pouvons aussi réduire. Donc je vais en 3D pour voir. Voilà, nous pouvons aussi réduire, ouais, la taille ou la longueur, la largeur de notre volet. C'est sur ma porte, CTRL B. Je peux facilement réduire les 4 mâts que je veux à ce niveau, largeur volet. Bon, largeur volet, je mets largeur 0,5, voilà, qui a été réduit. Et je vais maintenant en 3D pour voir le constat que je fais par rapport à ça. Donc voilà notre outil fenêtre réalisé dans ce projet, ainsi que quelques changements, quelques modifications liées à cette fenêtre. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire dans la description, activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et alors on se dit à la prochaine. Salut les amis, dans cette vidéo nous parlerons de l'outil test, raccourci outil test dans HCAD 22. Et donc allons-y. Donc, nous trouvons l'outil test dans documentation ici, la documentation test, et le raccourci clavier, c'est la lettre K. C'est la lettre K sur notre clavier. Donc quand je clique sur K, automatiquement mon outil est activé, et je fais CTRL B pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. Donc cette fenêtre de paramétrage scindée en plusieurs panneaux. Donc j'ai ici site de test, formatage, bloc de test, propriété et rénovation. Donc dans ce type de test, qu'est-ce que nous avons? Donc quand je clique, nous avons ici tout ce qui concerne la police. Donc j'ai ici Arial, donc je peux venir prendre police, tout ce que je veux. Donc nous prenons maintenant Time. Donc nous cherchons Time New Roman. Donc Times New Roman. Donc je viens à ce niveau, au niveau de la taille, donc au niveau de M ici, donc j'ai taille, je peux venir prendre 2,5 mm. Donc juste en bas, nous avons ici gras, italique, souligné, barré. Donc nous mettons sur un gras, nous avons juste à côté, en bas,
les alignements, aligner à gauche, aligner au centre, à droite et justifier si nous voulons. Et juste ici, nous avons l'interlignage, largeur et espacement. Et largeur entre les lettres et l'espacement aussi entre les lettres. À ce niveau, nous avons la couleur associée à notre test. La couleur associée à notre test, je prends ici une couleur rouge bordeaux. Et déjà, avec ces paramètres, ces réglages, je suis satisfait. Nous pouvons aller voir au niveau de formatage, bloc de test, pour voir ce que j'ai à l'intérieur. Ou je vois ici la rotation de mon test, si je veux définir une rotation, le point d'ancrage. Nous pouvons créer un cadre autour de mon test et une couleur opaque aussi autour de mon test. Donc voilà ce que j'ai. Donc disons qu'avec ces réglages que nous avons juste à côté, je suis satisfait de ces réglages et puis je peux maintenant venir valider avec OK. Donc nous avons les mêmes réglages sur la palette ou sur la zone. Et la palette zone d'information que j'ai ici en haut, où je peux venir définir encore ma police. Donc définir encore la taille, la rotation, le style de test, gras, italique, souligné, consort, les alignements, la couleur, ligne de contour. Donc tous ces paramètres aussi se figurent sur la barre zone d'information. Maintenant, comment poser les tests sur notre projet? Il suffit juste de venir cliquer un rectangle fantôme. Donc je commence par chambre ici, je clique un rectangle. Donc d'abord je clique gauche et je tire. Et je vois là un rectangle fantôme qui apparaît. Je clique et là je peux mettre mon test chambre. Donc chambre, voilà. Du coup, pour valider, je peux sortir à l'extérieur ou venir faire clic droit. OK. Pour valider. Et une fois mon test posé, je peux venir à ce niveau sélectionner mon test si je veux l'aligner au centre. Si je vois que la taille n'est pas tout à fait grande, je peux augmenter la taille à ce niveau. J'ai ici la taille, je peux mettre à 3,50 à volonté. Donc j'ai ma chambre qui est là. Et maintenant je peux faire le salon, la terrasse, la cuisine et les toilettes. Donc, nous cliquons sur une sélection de mon test et je fais CTRL-L. CTRL-L, translation, copie. Voilà, CTRL-L. Je viens, je le pose à l'intérieur. Donc, je double-clique deux fois. Je sélectionne mon test, je double-clique deux fois. Je peux maintenant effacer et changer en salon. Voilà. Toujours CTRL-L. Donc cela nous permet d'aller plus vite dans le logiciel. Donc je viens, je mets ici test, donc terrasse plutôt, terrasse. Donc je peux à ce niveau déjà, OK, continue toujours avec le même élan. Donc je clique CTRL-L, je viens, je le pose là. Donc, cuisine, toujours CTRL-L, translation, copie. Nous mettons ici toilette. Et encore là, toilette visiteur. Voilà. Donc voilà, mais qu'est-ce que je viens de faire dans le logiciel? Je peux sélectionner tous mes tests. Donc je viens sur le K, CTRL-A, et je peux changer d'emblée la couleur de mon test si je veux. Je peux choisir une couleur café à volonté. Donc K, CTRL-A, et je viens, je prends une couleur que je veux à volonté. Donc voilà, nous venons comme ça de réaliser les tests dans Archicad 22. Je peux venir basculer la rotation de mon test si je veux. Donc je clique sur test, essayez ça aussi. J'ai ici l'angle de rotation, je peux venir prendre 90 degrés, je valide et voilà mon salon qui tourne à 80 degrés. Je peux venir prendre encore 0 degrés
Voilà, et j'ai mon salon qui tourne aussi à 0 degré. Donc voilà ce que nous pouvons apprendre de l'outil test. Les tests sont des éléments 2D et donc en 3D, nous n'allons pas les voir. Donc quand nous allons en 3D, nous ne voyons pas notre test. Mais nous avons quand même l'outil test aussi en 3D, défini même en 3D que nous pouvons utiliser. Par exemple, lorsque nous allons sur documentation, pardon, objet, nous allons sur objet, à ce niveau, cherchons décoration, j'ai ici test 3D, 3D test, je peux paramétrer mon test et l'appliquer sur mon projet. Un exemple, Villa Kodjo, Villa Kofi ou Villa ou appartement, tout ce que je veux, donc je peux facilement écrire le test, le poser en 3D. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne, activez toutes les notifications, partagez la vidéo, laissez-nous un commentaire. On se dit à la prochaine. Salut les amis, dans cette vidéo nous parlerons de l'outil cotation dans Archicad 22. L'outil cotation dans Archicad 22. Et donc, allons-y. Nous trouvons l'outil cotation dans documentation, dans la boîte à outils de raccourci clavier, c'est J, la lettre J sur notre clavier. Donc une fois que je clique sur J, la cotation est activée et je peux venir maintenant faire CTRL B pour ouvrir ma palette ou la fenêtre de paramétrage. Donc c'est un outil qui est scindé, cette fenêtre est scindée en plusieurs panneaux. Donc voilà un peu les panneaux que j'ai à l'intérieur. J'ai type de cotation, style de test, option marquée ligne, pointeur, détail, cotation et consort. Donc je commence avec type et cotation. Alors type et cotation, nous avons la méthode linéaire, méthode cumulative, ligne de base et code d'attitude. Donc je peux venir à ce niveau cliquer sur méthode linéaire. Donc nous prenons méthode linéaire. Juste en bas, nous avons type de marque. Le type de marque, c'est soit les flèches et les points. Je peux définir ici un point. J'ai ici affiché cotation seulement ou cotation statique. Donc, je désactive les deux. Donc, je prends type de marque, ce point-là. Et à ce niveau, j'ai étendre ligne de rappel. Et à ce niveau, donc nous prenons étendre ligne de rappel. Et ligne de rappel qui est à ce niveau, j'ai 100 lignes de rappel, hauteur fixe, hauteur personnalisée, hauteur dynamique. Nous prenons hauteur fixe. Et j'ai de ce côté les couleurs. Vous voyez, les couleurs liées d'abord à la marque ici. Donc je prends couleur rouge bordeaux pour le point à ce niveau. Ligne de rappel aussi, la couleur. Pourquoi pas, je prends une couleur grise claire. Voilà. Maintenant, au niveau du test, c'est toujours le même principe comme les tests que nous avons fait au préalable. Juste quelques modifications ou ajouts. J'ai ici la police, la taille. J'ai la couleur qui est à ce niveau. Je peux aussi définir une couleur selon mon gré. Voilà, j'ai gras, italique, souligné et barré qui est à ce niveau. Donc je mets la taille à 3 mm. Donc déjà, je suis satisfait de mes réglages, je valide avec OK. Donc comment je fais la cotation dans Archicad, Archicad 22? Donc nous pouvons commencer avec les cotations qui montrent l'épaisseur des murs, qui sortent l'épaisseur des murs. Donc je viens là, je peux à ce niveau supprimer mes murs si je veux à volonté. Donc, j'ai un truc comme ça qui apparaît. Et je peux venir rester là, cliquer, voilà. Donc une fois que je reste sur le mur, j'ai une couleur bleue qui apparaît. Voilà, comme mon mur est en couleur bleue, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner tous les murs et changer. W, CTRL A, échanger et CTRL B.
l'affichage de mes murs. Là, je prends juste un mur de ce genre. Je viens à ce niveau d'envue pour agrandir un peu l'épaisseur des lignes. Voilà. Que ça soit visible. Voilà. Et maintenant, je vais dans vue, option de vue écran, épaisseur de ligne réelle. Voilà. Donc maintenant, je viens au niveau de cotation. Donc, lorsque je reçois cotation, c'est déjà paramétré au passage. Voilà, j'ai une couleur bleue qui apparaît. Je clique encore et je clique. Là, je peux maintenant venir à l'extérieur, je clique deux fois et puis troisième fois, on pose notre cotation. Voilà. Donc, nous pouvons cliquer une fois. Et je peux cliquer deux fois ici, troisième fois, nous posons la cotation. Et maintenant, pour faire sortir la cotation d'être le mot, donc je clique sur ça encore. Voilà. Deux fois, et je pose encore. Ce qui sort maintenant, la hauteur et la largeur de mes ouvertures des fenêtres. Donc je clique maintenant une dernière fois pour une cotation totale. Voilà, les deux extrémités. Voilà, et j'ai ici la cotation finale. Donc, on le rappelle, donc pour faire sortir la cotation, les distances l'épaisseur de mes murs, donc je clique sur chaque mur. Et là, pour faire sortir les trumeaux, donc c'est juste un seul point à chaque coin des fenêtres et des murs. Et maintenant, pour faire sortir la cotation totale, ce que nous faisons, nous cliquons sur les deux extrémités de notre mur. Voilà. Donc je peux venir encore à ce niveau, faire une cotation, je clique sur ça. Quand c'est bleu nous cliquons. Et je viens là, je clique sur ce mur deux fois, je pose ça ici. Je vais sortir maintenant à ce niveau, voilà, un point. Nous pouvons bien zoomer pour bien voir. Donc je dézoome, puis encore bien zoomer pour bien voir. Je termine avec ça. Encore ici, deux points. Et pour bien terminer, une fois ici, une fois là encore. Et je viens encore à l'extrémité. Et je pose encore ma cotation qui est à ce niveau. Donc si je veux, je peux faire J sur le clavier, CTRL A. Et changer la couleur de mes tests, voilà, pour voir clairement mes tests. Donc voilà ce que je viens d'avoir avec l'outil cotation. Donc nous pouvons essayer les deux dernières parties chez nous et voir ce que nous pouvons apprendre davantage de cet outil cotation dans HCAD. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de faire un commentaire et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on se dit à la prochaine. Salut les amis, dans cette vidéo, nous parlerons de l'outil HU dans HCAD 22. L'outil HU dans HCAD 22. Donc, allons-y. Donc, nous trouvons notre outil HU dans documentation, dans la boîte à outils documentation, à ce niveau HU. Et donc, je peux venir paramétrer, une fois activé CTRL B, donc je peux paramétrer ma HU pour faire tout ce que je veux. Donc, j'ai ici paramètres généraux, donc c'est SND, c'est une. C'est un outil qui est scindé en plusieurs panneaux. Donc j'ai ici paramètres généraux, j'ai ici propriétés. Donc au niveau de paramètres généraux, j'ai ici ma ligne, le contour. Donc je peux venir prendre une ligne continue, une ligne discontinue, tout ce que je veux. Donc au niveau de ma ligne, la plupart du temps nous prenons ligne continue. Je peux venir définir la couleur de ma ligne, que ce soit le noir, que ce soit le rouge, le café, le vert. Volonté. Et juste en bas ici, qu'est-ce que j'ai?
J'ai ici mon mode de hachurage, catégorie de hachure. Donc, quand je clique, j'ai ici hachure d'esquisse, de dessin 2D, hachure de recouvrement, hachure coupée. J'ai ici hachure coupée, matériau de construction. Donc nous prenons hachure d'esquisse, hachure de dessin 2D. Donc maintenant, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Je peux venir cliquer au niveau du motif de hachure. Je peux venir choisir tout ce que je veux comme hachure. Donc, ce qui est intéressant à ce niveau, c'est le design qui nous intéresse. C'est le design, le schéma qui nous intéresse. Donc, je peux venir sélectionner tout ce que je veux comme hachure. Donc, j'ai ici... Donc je viens, je prends ça, béton cellulaire. Donc j'aime ce design. Donc je clique sur ça. Là, je définis ma couleur. Ma couleur de... Donc comme on le voit, stylo avant-plan de hachure. Donc je peux venir définir une certaine couleur. Donc je prends peut-être cette couleur. Ou une couleur un peu, pas trop foncée, mais un peu claire. Voilà. Et ici... ma hachure de fond. Donc, je peux venir prendre le blanc. Automatiquement, je vois l'affichage à ce niveau. Ce qui est vraiment intéressant sur HC4, je vois l'affichage à l'intérieur ici. Je peux venir valider avec OK. Donc, je décide de mettre cette hachure au niveau du salon. Et pour aller vite, le raccourci, c'est barre d'espacement. La barre d'espacement, quand j'appuie sur ça, donc j'ai la baguette magique qui apparaît et puis je clique. Une fois cliqué, voilà ma hachure qui apparaît à l'intérieur de mon salon. Voilà. Donc je vais encore aller CTRL B toujours, définir encore autre hachure pour ma chambre. Donc je choisis, nous pouvons défiler comme nous voulons pour la chambre. Donc je prends un carreau non, plutôt je viens, je choisis carreau 60 par 60, pourquoi pas pour la chambre. Donc je prends ça, je viens de définir une autre couleur, je prends une autre couleur. Donc je viens à ce niveau, pourquoi pas, je fais OK et je viens là, je pose ma hachure à ce niveau. Mais déjà à ce niveau, je vois que ma hachure viendra jusqu'ici. Et donc pour le mettre à ce niveau, je sélectionne ma hachure et puis je clique sur une ligne, un bord. Quand je clique, j'ai ici une palette contextuelle qui s'ouvre où je peux prendre l'option décaler arrête, que je peux pousser un peu ma hachure à ce niveau. Voilà, donc pour libérer l'espace pour mon placard après. Voilà, donc je continue toujours avec hachure, donc CTRL B les paramètres. Et maintenant je viens au niveau de la terrasse pour définir encore une autre couleur comme je veux à volonté. Donc je définis une couleur pour la terrasse. Donc je viens définir une couleur à ce niveau. Voilà la couleur de ma terrasse, c'est trop foncé. Donc je peux venir directement ici pour changer un peu ma couleur et je défini, voilà, une couleur pour la terrasse. Je change aussi de hachure. Pourquoi pas, je prends un truc, voilà. Et je valide avec OK. Voilà. Donc, je peux changer dans l'autre sens. Tout dépend de ce que je veux à ce niveau. Tout dépend de ce que je veux. Voilà. La cuisine, je continue la cuisine, toilette et consort. Donc je prends carreau aussi avec une couleur bleue pour la cuisine. Ici les toilettes aussi. Pourquoi pas définir aussi également carreau 30 par 30. Et je viens, je le pose dans les deux toilettes. Je peux venir changer plutôt la couleur du salon que je veux à volonté. Je prends peut-être cette couleur et je change aussi
voilà, de design au niveau du salon. Voilà, donc, tout ce que je veux. En fait, l'objectif des rachures, c'est de rendre joli le projet, dans un premier temps, de rendre joli le projet. Et dans un second temps, de définir les surfaces. Nous pouvons activer les surfaces avec notre outil rachure. Donc, je peux venir une fois terminé, je clique sur mon salon et je viens là, au niveau des paramètres. Donc, je clique. Je peux ici activer afficher surface ou carrément je le vois ici afficher surface et j'ai la surface qui s'affiche juste. Je fais CTRL T translation juste à côté du salon. Je peux cliquer encore sur ça. Je fais encore afficher surface. Là encore CTRL T. Je mets encore au niveau de la chambre. Donc, tout dépend de ce que je veux faire. Donc voilà. De façon pratique, c'est très simple comment nous pouvons utiliser les rachures dans Archicad. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez toutes les notifications, laissez-nous un commentaire, des questions à poser et surtout likez, partagez la vidéo. Donc on se dit alors à la prochaine. Oui, salut les amis, dans cette vidéo nous parlerons de l'outil Ligne dans Archicad 22. Nous allons aborder l'outil Ligne dans Archicad 22. Alors commençons. Donc, trouvons l'outil ligne dans boîte à outils à gauche de notre interface graphique et dans le panneau documentation. J'ai ici ligne, le raccourci c'est majuscule L. Mon outil ligne étant activé maintenant, je peux paramétrer à volonté, CTRL B. Je peux choisir la couleur de la ligne si je veux, pourquoi pas, je prends une couleur noire, donc je valide avec OK. Et maintenant, nous allons tracer les perrons d'entrée que je vois sur le plan, au niveau de la terrasse. Donc je trace d'abord ma première ligne. Maintenant, de cette ligne, maintenant, je peux tracer les autres marches que je veux. Donc, je sélectionne Shift, appuie long, CTRL L, translation, copie, je clique, Shift R, je mets 0,30, entrée, donc la largeur de ma marche. Je fais encore CTRL L, Shift R, 0,30 encore, la largeur de ma marche. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à présent au niveau de l'outil ligne. Et donc à présent je viens fermer. Je peux maintenant fermer mes marches et tracer l'emplacement du pot de fleurs. Et maintenant, je peux couper avec CTRL, appuie long, CTRL, pour facilement couper. Voilà. Donc, je viens comme ça de tracer en 2D mes marches d'entrée, les perrons d'entrée dans Archicad 22. Donc, je peux venir aussi faire à ce niveau. Donc, je viens là, je sélectionne. Et je fais la même chose, CTRL L. 0,30, encore CTRL L, donc pour aller vite, 0,30 encore, là je clique et je viens là, voilà. Donc je ferme tout ce que j'ai à fermer, voilà les marches d'entrée que je vois au niveau de la toilette visiteur. Donc l'outil ligne est vraiment pratique pour faire plein de choses dans Archicad. Par exemple, je viens encore là, je peux venir faire carrément mon placard à ce niveau. Ouais, je peux facilement faire mon placard à ce niveau si je veux bien. Ouais. Ou carrément utiliser l'outil polyligne, non, plutôt ligne chaînée. Donc je prends ça, chaîne de ligne plutôt, et je viens, je clique. Donc je clique à ce niveau, voilà,
donc qui fait toute une chaîne de lignes, si je veux, voilà, pour faire mon placard à ce niveau. Donc voilà ce que j'ai comme résultat. Nous pouvons aussi utiliser l'outil ligne pour faire plein de choses. Donc je peux, par exemple, on va aborder certaines notions à ce niveau. Donc j'ai un truc comme ça qui apparaît. Donc je reviens toujours à ligne, une seule ligne. Et je peux maintenant, imaginons que je veux croiser ces deux lignes. Que je veux croiser les deux lignes, donc je peux cliquer sur ça et Shift appuie, cliquer sur ça. Je viens au niveau de la barre d'outils, le raccourci, c'est ça que j'ai ici, intersection. Quand je clique sur cette intersection, automatiquement je vois mes deux lignes qui se croisent. Et si je veux, je peux venir prendre un mur, donc le mur contrôle, pardon, barre d'espacement, je pose ça sur ma ligne. Ouais, tout à fait, très simple. Très simple. Ou peut-être je veux faire un truc comme ça, je veux créer un pan coupé ici. Donc toujours je viens sur ma barre d'outils, j'ai ici congé chanfrein, je clique sur ça, j'ai congé chanfrein. Congé permet de faire un truc arrondi, chanfrein un truc un pan coupé. Donc je prends ici rayon 1, voilà, congé rayon 1. Et maintenant je veux tracer, faire ma ligne, mon mur sur ça. Très simple, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours mur et je le pose sur, ouais, sur ma ligne de façon très simple. Ctrl Z. Maintenant nous pouvons essayer à présent chanfrein. Nous prenons ici 2. Voilà, toujours pour faire ce que nous voulons, c'est un mur en archicad. Je prends un mur et je le pose sur ça. Très, 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 très simple. Ou peut-être je veux faire un truc, une ligne de façon inclinée. Là, je peux venir supprimer ça. Supprimer ça aussi. Alors je viens, je définis. Je définis la dimension de mon terrain que je veux à volonté. Je prends ce. Cette option, donc j'ai un truc comme ça qui apparaît. Voilà mon terrain. Je vais être avec OK dans mon terrain. Donc je prends juste l'outil ligne et je le pose sur mon terrain. Et je peux là directement avoir l'image de mon terrain que je peux facilement modifier à volonté. Donc voilà comment, de façon très simple, l'outil ligne nous permet de faire plein de choses dans le logiciel. De pouvoir dessiner des formes complexes, de pouvoir dessiner même des choses habituelles que nous voyons dans la réalité, comme les escaliers, les marches d'entrée, les perrons d'entrée. Donc utilisons à fond cet outil, essayons de l'utiliser au maximum pour faire tout ce que nous voulons. Et voilà qui met fin à cette formation. Cette vidéo consacrée à l'outil ligne. Et on se dit alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, salut les amis, dans cette vidéo nous parlerons des objets intérieurs et extérieurs dans Archicad. Donc les objets en Archicad 22. Alors commençons. Nous trouvons l'outil objet dans le panneau dessin, dans boîte à outils. Et le raccourci clavier, c'est V sur le clavier. Et maintenant, je fais CTRL B pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. Donc voilà ici tous mes objets intérieurs et extérieurs liés à Archicad. Donc, dans cette vidéo, nous allons poser les objets intérieurs que je vois là sur le plan. Nous avons le lit, le salon, les salles de la cuisine. Donc je cherche d'abord le lit à ce niveau. Donc, nous avons des objets 3D, 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Les objets aussi 2D, 2 dimensions, longueur et largeur. Donc je viens à ce niveau.
au niveau de l'i, et là je peux voir le contenu de ce dossier. Dans la version 22, donc je prends l'i de place, je vois un peu les paramètres de mon l'i. Tout dépend de ce que je veux, je peux augmenter la largeur à 1,80, la longueur à 2 mètres. Donc je peux facilement augmenter si je veux. Et à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux aussi tourner mon mur dans divers angles de vue. Donc je peux, donc quand je viens un peu dans l'espace vide ici, je vois là une flèche où je peux facilement basculer. Quand je bascule, je vois ici l'angle qui aussi automatiquement change. Donc je peux venir là. Donc voilà tout ce que j'ai à ce niveau. Voilà. Donc maintenant je peux venir à ce niveau, cliquer et valider mon mur, et plutôt mon lit, et je le pose à l'intérieur de ma chambre. Une fois posé, je vois un peu un décalage, donc je clique sur flèche et CTRL T translation, et puis je clique sur ça et je le pose là. Tout ce que je veux, CTRL T, je le pose dans le sens voulu. CTRL T, puis je l'approche un peu du mur. Donc voilà mon mur, mon lit que je viens de poser. Maintenant posons. Donc maintenant poser notre le salon. Poser maintenant le salon. Donc je viens, je clique sur toujours objet V, CTRL B. Et je cherche ici disposition, disposition mobilier. Voilà. Donc j'ai tout ça que j'ai à ce niveau, le salon qu'un repas. Donc je peux cliquer là et tourner ça dans divers angles de vue comme je le veux, à volonté, et puis je le pose à ce niveau. Soit je peux venir, oui, pourquoi pas, je pose ça à ce niveau. Donc je clique sur ça, CTRL T. Voilà, j'ai ici mon salon qui est posé. Je peux déplacer aussi le test, l'amener un peu vers le bas. Je peux venir sur le test, changer la couleur de mon test. Dans ces cas, CTRL A, et je change la couleur de mon test pour bien voir. Donc je le mets en rouge. Donc maintenant je peux venir à ce niveau poser mes ustensiles, de mes, tous les éléments de cuisine que j'ai sur le plan, ainsi que les toilettes. Donc je viens dans cuisine, toujours V, CTRL B. Donc je cherche toujours mobilier de cuisine. Voilà tout ce que j'ai à ce niveau. Donc je peux venir ajouter d'autres bibliothèques si je veux. Donc je peux le poser. Donc on peut poser et après aussi basculer dans divers angles de vue si je veux. Et CTRL T, et je le pose là. Voilà, donc c'est ce que j'ai à ce niveau. Pourquoi pas, je peux encore venir, encore faire CTRL L, translation, copie. Je pose ici, je fais encore CTRL R, rotation. Je trace une ligne de référence et je bascule pour faire la rotation à ce niveau. Je pose mon élément. Voilà. Donc voilà, l'élément posé dans la cuisine. Là, qu'est-ce que je fais? Je continue avec les salles d'eau. Et là, à ce niveau, V, toujours CTRL B. Et là, à ce niveau, qu'est-ce que je cherche? Je cherche éléments 2D. Les éléments 2D, nous allons aussi laisser éléments 2D. Donc, ce sont des éléments de dimension, longueur, largeur, qui ne se verront pas en 3D. Et je cherche symbole sanitaire. Vous voyez, donc là, j'ai ici tout ce que, tout ce dont j'ai besoin, lavabo et consort. Donc, je cherche d'abord symbole WC et je cherche à poser le WC. Donc, je peux le mettre à ce niveau. Donc, j'ai un WC ici, donc je le pose là et CTRL T, je le ramène ici. Voilà, donc voilà ce que j'ai. Je vois que ça se rapproche trop du mur de la fenêtre, je peux décaler un peu légèrement. Voilà, et je place maintenant mon lavabo, à ce niveau. Mon lavabo. Donc nous allons toujours ouvrir CTRL B. Je cherche voilà, mon lavabo. J'ai un truc comme ça qui apparaît, voilà, c'est qui apparaît. Et je le pose là.
Voilà, CTRL T. Et je le prends, je le mets là. Donc voilà ce que j'ai. Je peux encore replacer ces mêmes choses à ce niveau. Vous voyez, quand je clique sur mon élément, je peux faire CTRL J, symétrie copie, et je peux l'avoir à ce niveau. Ce niveau. Voilà, symétrie copie, je peux l'avoir à ce niveau. Voilà. Et si je veux bien avoir aussi mon lavabo à ce niveau, CTRL L, je le pose là. Voilà. Donc voilà ma toilette visiteur. Je peux bouger ça un peu ici. Donc voilà ma toilette visiteur ainsi que mon lavabo que j'ai posé dans HK22. Donc voilà comment nous pouvons facilement. Nous pouvons après aller fouiller encore plein d'éléments qui sont ici, équipements ménagers, médical, bureau, cuisine, plein d'éléments, mobilier de cuisine, et mobilier scolaire, plein d'éléments qui sont là. Nous pouvons facilement utiliser pour faire nos aménagements, notre aménagement intérieur. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Très important. On se dit alors à la prochaine. Salut les amis. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 8 choses. Oui, 8 choses que j'aurais vivement aimé connaître à mes débuts en HCAD. Nous allons essentiellement travailler sur la dernière version du logiciel HCAD 25, mais vous pouvez appliquer cet exercice sur n'importe quelle version du logiciel. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Oui, pour commencer, parlons de l'inspecteur en Archicad. Où trouvons-nous l'inspecteur dans le logiciel? Nous trouvons l'inspecteur sur la barre d'outils, à ce niveau, la barre d'outils. Nous avons l'inspecteur à ce niveau, afficher ou masquer l'inspecteur. Quel est le rôle de l'inspecteur? Donc, deuxième question. L'inspecteur permet d'afficher les distances, les coordonnées à l'intérieur du logiciel. Oui, quand je prends par exemple un mur, donc quand je clique, donc je vois l'inspecteur qui suit mon curseur. Vous voyez, donc je vois distance, angle et éventuellement encore des coordonnées. La plupart des cas, les gens, peut-être par mégarde, ferment l'inspecteur ou désactivent l'inspecteur sans le savoir. Ce qui fait que c'est difficile d'activer ou c'est difficile pour eux d'entrer les coordonnées ou les distances à l'intérieur du logiciel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce très simple pour bloquer pour toujours l'inspecteur lorsque vous travaillez à l'intérieur du logiciel. Donc, pour cela, nous allons sur la barre de menu, Options, Environnement de travail. Je clique sur Inspecteur et saisie de coordonnées. Donc, voilà cette fenêtre que je vois devant moi. Nous avons ici Inspecteur et saisie de coordonnées. Nous avons affiché l'inspecteur qui est affiché, donc c'est affiché. Et nous avons deux options. Nous avons toujours et sur demande. Actuellement, c'est sur demande. Sur demande pendant saisie de coordonnées et opération d'édition. Donc, nous le mettons sur toujours. Donc, voyez un peu la différence. Donc, une fois validé avec OK, donc je vois l'inspecteur qui suit toujours mon curseur jusqu'à ce que je termine mon projet. Nickel, n'est-ce pas? Mais vous devez garder en mémoire que vous devez toujours aussi afficher l'inspecteur à ce niveau. Donc, quand je viens par exemple pour tracer un mur, actuellement un mur de 7, donc je viens sur Entrée, vous voyez, automatiquement, une fois le mur validé, la distance validée, j'ai toujours mon inspecteur qui suit mon curseur sur l'espace de travail. Donc, au passage, cette semaine, je vais publier beaucoup d'astuces et de détails sur HCAD, surtout HCAD 25, qui concerne n'importe quelle version du logiciel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Continuons cette vidéo. Parlons à présent du délai de mise à jour automatique
des dialogues. Lorsque nous commençons sur HK, la plupart des cas, le petit souci ou le souci qu'on a au départ, c'est le paramétrage de nos murs. Donc, lorsque j'ai un clavier, donc c'est conseillé d'avoir un clavier avec pavé numérique. C'est ce qui est recommandé. Là, vous pouvez facilement saisir vos distances sur le pavé numérique. Mais certaines personnes n'ont pas ce genre de clavier, donc ils doivent forcément chercher à mettre les virgules au niveau de leur dimension, de leur cotation éventuelle. Par exemple, quand je viens ici à ce niveau, au niveau de géométrie et position, donc je mets ici un lien pour vous, donc une formation complète même sur HK24 pour ceux qui le désirent, paramétrer les murs, les fenêtres, les cotations, donc je le mets ici en lien pour vous, pouvez aller fouiller ou regarder ces vidéos. Donc, quand je viens à ce niveau, quand je mets par exemple 3, ouais, quand, le temps de mettre 3,15, qu'est-ce que je remarque quand je mets par exemple 4, le temps de mettre 4,15, 4,30, je vois certains zéros qui viennent rapidement ou qui s'affichent rapidement à côté de mes 4. Parce que au départ, il faut l'avouer, nous n'avons pas cette rapidité pour entrer nos coordonnées, nos distances à l'intérieur du logiciel. Comment remédier à cela? Délai de mise à jour automatique des dialogues. Comment remédier à cela? Pour que vous puissiez avoir cette latitude d'écrire librement ce que vous voulez. Nous allons également sur Options, Environnement de travail, et nous allons sur Dialogue et Palette. Dialogue et Palette. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que nous avons? Voilà, dialogue et palette. Donc, nous avons délai de mise à jour automatique des dialogues. Vous voyez, c'est programmé sur 1,50 secondes. Donc, sur ces logiciels 3D, il y a derrière une programmation sur tous ces logiciels 3D. Donc, nous maintenant, nous allons enlever les 1,50 et je peux mettre 10 secondes, 5 secondes. Voire même 20 secondes si je le veux. Tout dépend du temps que je veux. Pour moi, même 5 secondes. Le temps de pouvoir maîtriser un peu la saisie. Et maintenant, nous pouvons revenir sur les 1,50 si nous voulons à volonté. Donc, je mets plus ou moins 5 secondes. Donc, quand je fais OK. Donc, allons, je clique encore sur mur. Je viens à ce niveau. Donc, vous voyez toujours les paramètres. Donc, quand je viens, je mets ici par exemple 2. Ouais, j'ai 5 secondes, ouais, 5 secondes avant que mes zéros n'apparaissent. Lesquels, n'est-ce pas? Donc, j'ai 5 secondes pour écrire, pour saisir. Quand je viens, je ne mets pas en 5. Donc, 5 points, je cherche 25. J'ai 5 secondes avant que le logiciel ne prenne le contrôle de cette partie. Donc, n'oubliez pas de paramétrer très bien cette partie aussi, option. Environnement de travail, dialogue et palette. Et je mets ici 5 secondes. Nous pouvons revenir sur 10 secondes, sur 1,5 secondes, si nous voulons à volonté. Donc, à ce niveau de la vidéo, si vous aimez ce que, ou si vous tirez un plus de cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Puis un pouce bleu en l'air. Continuons cette vidéo. Parlons maintenant de la palette contextuelle. La palette contextuelle à l'intérieur du logiciel. Oui, à quoi sert la palette contextuelle? La palette contextuelle, c'est juste très simple. Quand je clique par exemple sur mon mur à ce niveau, quand je clique sur ça, vous voyez, j'ai forcément une fenêtre qui doit s'ouvrir. Et cette fenêtre qui s'ouvre, nous avons d'autres options à l'intérieur de cette fenêtre. Par exemple, ici, j'ai ici translation où je peux venir déplacer facilement. Ouais, je peux venir mettre 6, 5 ou 4,15. Ouais. Donc, je peux facilement faire une translation de mon mur dans la palette contextuelle. Mais il arrive des fois qu'au départ, au début, nous ne remarquons pas qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre devant nos yeux ou qui est à côté. Et donc, nous cherchons un peu les outils ou les options que le logiciel nous donne. Comment aussi bloquer cette palette contextuelle à l'intérieur du logiciel? Donc, nous allons sur Options,
Donc toujours dans environnement de travail, dialogue et palette. Et là, juste en bas de délai de mise à jour automatique des dialogues, j'ai ici position de la palette contextuelle. J'ai deux options toujours sur le curseur ou saute à sa dernière position. Donc je le mets sur le curseur. Donc voyez un peu ce que j'aurai à l'intérieur de mon logiciel. Je valide avec OK. Donc une fois validé, donc quand je clique, vous voyez, quand je viens à ce niveau, donc voilà mon palette contextuelle qui suit le mouvement de mon curseur. Donc quand je le déplace, automatiquement j'ai cette palette contextuelle qui suit le mouvement. Donc nous pouvons le bloquer et c'est un rappel pour nous pour dire que nous devons cibler ou prendre d'autres options sur la palette contextuelle. Nous pouvons toutefois le fermer ou l'ouvrir, mais pour un débutant ou quelqu'un même qui a une certaine base à l'intérieur du logiciel, pourquoi pas activer cette palette contextuelle et à chaque fois que nous bougeons, nous trouvons la palette contextuelle qui s'affiche devant nous. Par exemple, à ce niveau, je viens sur DAL. Donc, j'active ici mon outil DAL. Voilà. Quand je clique sur la DAL, voilà. J'ai une palette contextuelle qui apparaît, qui me donne jusqu'à 13 options complémentaires ou supplémentaires pour l'outil DAL. Donc, quand je bouge mon curseur, automatiquement, je peux voir ma palette contextuelle qui s'affiche devant moi où je peux facilement choisir mon option que je veux sur mon outil DAL si je le veux à volonté. Voyez. Donc, tout dépend de ce que je veux par rapport à mon logiciel. Donc, voilà de façon très simple comment nous pouvons aussi bloquer la palette contextuelle à l'intérieur d'Archicad pour toujours retrouver ces options supplémentaires que le logiciel nous propose. Poursuivons également cette vidéo avec maintenant la subbrillance des éléments à l'intérieur du logiciel. Je peux venir à ce niveau, effacer ma dalle. Donc toujours c'est options, nous allons dans options, environnement de travail et maintenant à ce niveau, je viens sur sélection et information d'éléments. Sélection et information d'éléments. C'est aussi une partie vraiment importante à l'intérieur du logiciel. Pourquoi? Parce que quand nous venons à ce niveau ici, subbrillance sur éléments avant sélection et barrette magique. Subbrillance apparaît après une seconde. Après 2 secondes, après 5 secondes, tout dépend de nous, mais nous allons le mettre sur 0 secondes. J'ai ici aussi activé étiquette information d'éléments. Étiquette information apparaît au bout de 0,50 secondes. Donc je le mets aussi sur 0 secondes. En fait, la subbrillance nous affiche les informations essentielles sur l'outil que nous avons activé ou sur l'outil que nous voulons utiliser. Donc je valide maintenant avec OK. Et voyez ce que ça donne. Quand je viens d'emblée sur mon mur net, j'ai la subbrillance qui affiche les informations essentielles liées à ce mur. J'ai le mur, la structure, l'élévation, l'épaisseur du mur, 0,15, hauteur non liée, calque mur extérieur périphérique. Très intéressant. Si c'était sur 1,50 secondes, donc le temps de pouvoir voir ces informations, serait un peu, donc j'aurai 1,1 seconde d'attente. Mais quand je le mets sur 0 secondes, une fois que je viens sur la chose, par exemple, je prends à ce niveau dalle. Donc quand je clique, vous voyez, automatiquement, quand je viens sur ma dalle, donc automatiquement, je vois l'attitude, l'épaisseur de ma dalle et la structure de ma dalle, ainsi que le calque auquel appartient mon objet ou mon élément. Au fait, en Archicad, lorsque nous travaillons, par moment, il arrive que nous modifions les paramètres de nos murs, de nos fenêtres ou d'autres choses que nous voulons voir à l'intérieur du logiciel. Donc, par exemple, je viens à ce niveau sur cet élément. Donc, automatiquement, quand je viens sur l'élément en question, qu'est-ce que je vois? Je vois l'objet, nom, table, haute, rectangulaire, l'élévation. Donc, ce qui me permet de pouvoir voir d'emblée
la hauteur, l'épaisseur éventuellement, ou les dimensions de mon élément, de mon objet en question. Au lieu de venir à ce niveau, ouais, au lieu de venir à ce niveau, revoir les choses, ou revoir même dans la fenêtre de paramétrage ces éléments, déjà avec la subbrillance des éléments, j'ai une vue d'ensemble des coordonnées, des dimensions de mon élément. Mais je pense que c'est aussi un élément que j'aurais très tôt à apprendre en HCAD pour aller vite et maîtriser rapidement ce logiciel fabuleux. Parlons maintenant de la limite d'annulation à l'intérieur du logiciel. La limite d'annulation à l'intérieur d'HCAD. Donc, c'est toujours dans Options, Environnement et Travail. Et à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je cherche sécurité et intégrité des données, donc tout ce qui concerne la sécurité. Ouais, j'ai ici enregistrement vers fichier de récupération, sécurité absolue. J'ai ici fait copie de sauvegarde, les fichiers BPN, très important. Vous devez toujours activer ces éléments ou cette option pour créer la sauvegarde automatique en HCAD, ces fichiers qui viennent avec des flèches rouges. Souvent, vous allez le voir en HCAD. J'ai ici limite d'annulation. Donc, j'ai jusqu'à 20 pas en arrière. Donc, je peux annuler jusqu'à 20 pas en arrière. Pourquoi pas, quand on est au début ou quand on a une certaine base, l'amener jusqu'à 50 pas. Ce n'est possible puisque c'est nous qui programmons le logiciel à notre façon pour facilement l'utiliser. Donc, je peux le mettre ici jusqu'à 50 pas. Si je le souhaite, à volonté, je valide avec OK. Voilà. Donc, je peux annuler jusqu'à 50 pas si je le souhaite à volonté à l'intérieur du logiciel. Donc, parlons maintenant de notre sixième truc sur HCAD ou sixième astuce sur HCAD. C'est par rapport à l'outil flèche, l'outil de sélection flèche. Donc, comme nous l'avons vu, lorsque je suis actuellement sur flèche ici, nous avons deux modes de sélection, l'outil flèche et zone de sélection. Nous aurons aussi des vidéos après sur l'outil zone de sélection. Donc, je clique sur ça. Donc, je viens à ce niveau, vous voyez, quand je reste toujours sur mon outil flèche, donc le temps de subbrillance, le fait que je l'ai mis à 0 seconde, automatiquement, lorsque je vois le bleu sur mon mur, je peux facilement activer. Donc, c'est une façon très simple d'activer. Lorsque vous voyez juste le bleu qui apparaît sur votre élément, nous pouvons facilement l'activer sur le logiciel. Ouais, je peux facilement activer tout ce que je veux lorsque je vois le bleu sur mon élément. Mais toujours par rapport à cet outil, nous avons trois modes. Ouais, trois modes de sélection. Nous avons la sélection partielle à ce niveau. Ouais, sélection partielle, sélection en entier et selon la direction. En quoi consistent ces trois modes? La sélection partielle. Donc, je viens à ce niveau, par exemple, je fais encore, toujours, je trace encore, voilà, mon mur, si je le veux. Donc, je trace encore un mur, je trace éventuellement encore ici une dalle. Donc, la sélection partielle, il suffit juste que je touche une partie de mon élément, ouais, et puis l'élément est sélectionné. Donc, cela ressemble un peu à ce que nous faisons sur AutoCAD, la sélection par fenêtre ou la sélection par capture. Donc, par fenêtre, il faut que l'élément soit totalement à l'intérieur de mon cadre, de ma zone. Sélection par capture, il faut juste que ça touche une partie de mon élément, de mon objet, et puis l'élément est sélectionné. Donc, à ce niveau, quand je viens par exemple à ce niveau, je clique juste, vous voyez, sur juste une partie, automatiquement l'élément est sélectionné. C'est un peu ça le point par rapport à la sélection partielle, l'élément est sélectionné. Mais il peut arriver que j'aimerais choisir tout un ensemble, par exemple sur ce projet que je suis en train d'afficher, j'aimerais choisir tout un ensemble d'éléments sur le projet et aller vite pour gagner du temps. Donc je viens à ce niveau sur la sélection, ouais, et en entier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que la sélection en entier, vous voyez, une fois que tous mes éléments sont à l'intérieur du logiciel, donc je veux sélectionner par exemple
Oui, cet élément de bureau, les chaises, tout ce que je vois à l'intérieur. Donc, je viens à ce niveau. Actuellement, je désactive la sélection rapide et puis je viens. Oui, quand j'encadre cette partie, oui, quand j'encadre cette partie, tous ces éléments qui seront en entier à l'intérieur de la partie seront sélectionnés. C'est obligatoire. Sauf ce mur que je vois ici qui commence là et se termine là. Donc, je viens, vous voyez, tout à fait. Donc, tous les éléments qui sont à l'intérieur de ma sélection seront d'emblée sélectionnés à l'intérieur. Donc, je peux venir à ce niveau, effacer tous ces éléments en un seul clic. Ouais, ça permet de gagner un maximum de temps sur HCAD. J'aurais aimé vraiment à mes débuts connaître ces options. C'est pour cela que je partage ces options avec vous dans cette vidéo. Donc, je fais CTRL Z pour ramener ces éléments. Parlons maintenant de la dernière option. J'ai ici selon la direction. Donc, cette option regroupe les deux que nous venons de voir. Donc, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, vous voyez, j'ai à ce niveau par en entier. Donc, sélection par entier. Donc, vous allez voir que ça me donne des traits discontinus. Donc, je viens et puis je sélectionne parce que c'est en entier. Quand je clique sur ça, je prends juste une partie. Est-ce que ça va se sélectionner? Non. Vous voyez? Parce que ce n'est pas en entier. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous venons de voir à ce niveau. C'est ça. Donc, tous les éléments qui sont en entier seront sélectionnés à l'intérieur du logiciel. Donc, de la gauche vers la droite, c'est en entier. Et maintenant, de la droite, ici vers la gauche, c'est juste suivant un point donné de l'objet. Automatiquement, mon objet est sélectionné. Donc, ça ressemble à la sélection par capture ou par fenêtre en AutoCAD. Je vous mets aussi le lien ici. Vous pouvez facilement trouver ce que je suis en train de dire au niveau d'AutoCAD. Parlons à présent de la sélection rapide. La sélection rapide en AutoCAD. Donc, c'est ça que je trouve juste à ce niveau, sélection rapide. Donc, a priori, lorsque nous voulons sélectionner des éléments à l'intérieur du logiciel, juste par des sélections, nous visons, donc quand je désactive, nous visons juste le bord des éléments, vous voyez, ou juste les contours. Donc, automatiquement, voilà, je sélectionne rapidement. Je suis toujours à 0 seconde de surbrillance. Mais la sélection par ou sélection rapide est aussi intéressante. Nous parlons à présent de notre septième chose que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, cette sélection, lui, il cible juste la face de l'élément en question. Voilà. Donc, quand je viens par exemple de sélectionner cette table, donc je clique juste sur ça et l'élément est sélectionné. Ouais, donc, je viens ici sélectionner, je clique sur ça et l'élément est sélectionné. Donc, je viens juste sur l'élément donné, je clique. Et l'élément est parfaitement sélectionné à l'intérieur du logiciel. C'est la sélection rapide. Donc, mon lit, voilà, je le sélectionne. Je peux cliquer sur majuscule Shift et prendre plusieurs éléments, ouais, en même temps, si je le veux, à l'intérieur du logiciel. Donc, c'est la sélection rapide. Ces sélections rapides, nous devons faire attention parce que si c'est une sélection rapide, et que je veux aussi utiliser, par exemple, cet élément, vous voyez. Quand je veux prendre la sélection en entier, vu que je suis sur l'élément, vous voyez, sur notre hachure à ce niveau, ça prend plutôt ma hachure. Donc, on doit d'abord désactiver ça. Donc, je viens de sélectionner. Et maintenant, je viens prendre, voilà, mes éléments que je veux effacer ou déplacer à l'intérieur du logiciel. Donc, nous venons comme ça de voir la sélection rapide, la septième chose que je compte partager avec vous dans AutoCAD, dans cette vidéo. Terminons maintenant par la sélection par tabulation. La sélection par tabulation. Quand on est débutant sur AutoCAD, il arrive des fois, nous pouvons paramétrer nos murs, le soubassement, le mettons par exemple sur... Donc, je viens ici, je mets par exemple soubassement, je mets 0,45. Donc, je mets ici 0,0, donc 3 marches. Donc, je prends ici béton lissé et puis je viens. Donc, voilà.
mon élément que je viens, quand je viens toujours sur ma subrayante, donc je vois l'épaisseur 0,45 attitude 0,0. Donc imaginons, je veux toujours, je peux venir donc à ce niveau, voilà, bouger un peu cet élément. Voilà, donc je fais ça. Donc je veux encore faire une dalle supérieure, donc une dalle qui se pose sur, sur mes murs, sur les poutres. Donc je viens toujours au niveau de dalle, mais il se fait que ma dalle se repose toujours, donc c'est superposé. Ouais, donc c'est un truc superposé. Et maintenant, pour sélectionner cet élément en HE4, c'est souvent compliqué. Ouais, moi-même, ça m'a tellement embêté au départ. C'est pour cela que je partage cela avec vous. Mais il y a un moyen très simple pour sélectionner ces éléments. Et nous allons utiliser la touche tabulation. Donc, vous pouvez superposer jusqu'à 20 éléments, 30 éléments, 20 murs, 20 dalles. Donc, pour y arriver, dans un premier temps, je viens désactiver certains éléments. Donc, je viens toujours à ce niveau, environnement et travail. Donc, dialogue et palette, je viens annuler ça. Position de la palette contextuelle, voilà. Maintenant, je peux venir donc sur mon élément. Et quand je suis sur l'élément, je mets la tabulation automatiquement. Vous voyez, ça bascule. Actuellement, je suis sur attitude 0,0, épaisseur 0,45. Quand je clique encore sur tabulation, encore ça bascule. Maintenant, je peux facilement le sélectionner. Ouais, cela est très simple. Donc, je peux facilement basculer. Vous voyez, quand l'élément est sur subbrillant, je peux facilement basculer. Et comme je veux. Ouais, actuellement, je suis sur 0,0 comme attitude, 0,45 comme épaisseur, le sous-bassement. Et maintenant, tabulation toujours. Attitude 0,30 et 3,40, attitude 3,40, épaisseur 0,20. Ouais, de façon simple, nous pouvons comme ça sélectionner nos éléments qui sont superposés à l'intérieur du logiciel. Donc voilà qui met fin à cette vidéo. Nous avons vu l'inspecteur, comment on peut bloquer l'inspecteur, le délai de mise à jour automatique à l'intérieur du logiciel. Nous avons parlé aussi de la palette contextuelle qu'on peut bloquer, qui nous suit toujours le curseur. Nous avons parlé de la subbrillance des éléments en position 5. Nous avons parlé de l'annulation, limite d'annulation, la flèche, et ainsi que ses options éventuelles. En septième position, nous avons parlé de la sélection rapide et pour terminer, la sélection par tabulation. Donc, si cette vidéo vous a apporté un plus, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. J'aurai encore d'autres vidéos dans la semaine par rapport aux détails, aux astuces sur la HE4. Partagez au maximum la vidéo et on se dit alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, salut les amis. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'aménagement extérieur dans HE4 22. L'aménagement extérieur dans HE4 22. Nous allons aborder une petite partie de l'aménagement extérieur. Et toujours avec l'option ou l'objet, l'outil objet dans HE4. Alors, commençons. Donc, nous trouvons toujours l'outil objet dans dessin, dans boîte à outils. Et là, je fais V, CTRL, B et je viens à ce niveau définir, je définis à présent mes fleurs, la végétation à l'extérieur. Donc je peux chercher au niveau de objet, j'ai ici visualisation et environnement, j'ai jardin où je peux voir tout ce que HE4 me propose comme élément 3D concernant la végétation. Donc je peux venir choisir une herbe que je veux, modèle herbe. Voilà les caractéristiques de ma fleur. Et puis je valide avec OK. Déjà à ce niveau, je peux le mettre en moins 0,45. Voilà, donc je le pose là, à l'intérieur, pour voir ce que ça donne. Donc quand je vais en 3D, donc voilà ce que j'ai à ce niveau.
Voilà ce que j'ai par rapport à l'aménagement extérieur. Donc, je reviens toujours en 2D. Je reviens en 2D pour changer mon élément. Donc, pourquoi pas, je cherche d'abord à faire ici une petite... Donc, je cherche avec l'outil mur, je fais juste là. Un petit pont que je peux poser à ce niveau. Donc, épaisseur 0,10 que je cherche à poser à ce niveau. Donc, je prends... Voilà. 0,10 c'est trop, donc je prends 0,05, je cherche à poser à ce niveau et je le mets à l'intérieur. Voilà, donc maintenant allons-y en 3D pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai comme élément en 3D. Donc par rapport à mon pot, maintenant je viens à ce niveau agrandir la taille de ma fleur. Donc hauteur console, on va en 3D, voilà ce que ça donne. Je peux venir à ce niveau, réduire voilà, donc c'est proportionnel. Donc, je peux cibler autre élément. Les autres éléments, donc je peux venir là, je prends et je pose. Ça sont des éléments en 2D. Donc je viens à ce niveau là, je pose toujours, c'est en 2D. Voilà, et je vois le 3D qui s'affiche là. Voilà, et je vois le 3D qui s'affiche. Donc ce sont des éléments, ce sont pas tout à fait 3D, mais quand même qui peut facilement faire ce que j'ai envie de faire. Donc pas mal, je trouve ça pas mal. Maintenant je cherche à poser mes arbres, les arbres que je veux. Donc je viens tout dans objet contrôle B et je cherche un arbre donné. Je vais venir poser ce palmier à ce niveau. Donc je vois d'abord les paramètres. Donc toujours à 15, mais je vois que c'est trop. Je prends peut-être 10 et je le pose juste à côté là. Je mets encore un à ce niveau. Nous allons à 3D pour visualiser. Donc voilà ce que j'ai comme élément orbite, clé de orbite. Donc voilà, ce sont des éléments. Voilà. 2D, mais qui peut aussi jouer le rôle de d'élément 3D, voilà. Ou carrément je peux les supprimer toujours dans V contrôle B. Et là je cherche toujours à poser certains éléments. Donc je prends ça par exemple, nous prenons ça. Voilà, je viens et je le pose là. Nous allons à 3D pour apprécier, voilà, pas mal. Et voilà ce que je viens d'avoir au niveau. Au niveau de ma végétation, voilà. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que je cherche maintenant à faire? Je cherche à poser là, sur la terrasse. Juste pour recevoir ses amis, ses invités sur la terrasse, disposition mobilier. Je cherche à poser là une table. Donc voilà, sur la terrasse à ce niveau. Voilà, très pratique. Voilà, nous allons voir ça. Et je vois que mes éléments sont entrés dans la dalle. Donc je viens voir à ce niveau pour les remonter. Donc j'ai un truc comme ça qui se fait voir très bien. Et pourquoi pas, je peux chercher maintenant aussi à poser à ce niveau. Je peux chercher à poser à ce niveau un arbre.
pardon, pas un arbre, mais une voiture. Donc toujours dans V, CTRL B. J'ai ici toujours. Nous venons dans environnement, plutôt personnage et véhicule, et je prends véhicule. Je cherche à poser un véhicule sur la voie. Donc à volonté, et puis je le pose là. Voilà. Dans ce sens. Et je vois là mon véhicule qui se déplace. On peut faire CTRL R, basculer un peu, le tourner dans ce sens. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. CTRL T, translation. Voilà mon élément qui se fait voir. Et maintenant, qu'est-ce que je cherche à faire? Je mets une personne à côté. N'oublions pas, nous devons aussi après faire la toiture, ce que nous voulons par rapport à notre projet. Donc c'est l'élément aussi très important. Je mets ici personnage contour, et ici personnage homme qui marche à vélo. Pourquoi pas, je mets un monsieur ici à vélo et je fais voilà. Donc j'ai un truc comme ça qui se fait voir en 3D. Donc voilà l'aménagement extérieur, juste une petite partie dans l'Anachicad 22. Et il reste à faire les toitures, c'est là même où le design se prépare, la toiture, la dalle, les consoles ainsi que les arcades. Donc je vous souhaite toujours un bon visionnage. Voilà la fin de notre tutoriel. Monter rapidement un projet en Archicad 22 en 12 minutes. Donc si j'allais combiner tous ces efforts dans une seule vidéo, donc de façon rapide en 12 minutes, j'allais monter tout ça avec les raccourcis et consorts. Donc voilà l'objectif principal qu'on s'est fixé et voilà là où ça nous a amené. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à faire des commentaires, et même à poser des questions si vous voulez. Surtout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est vraiment important. Donc on se dit alors à la prochaine.